Hey. Salut les méchants, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit live, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Nous sommes en direct sur LJVS. Oui. Et je suis avec Seb. Et comme d'habitude, Seb... C'est bien. N'importe quoi. Bon les bichons, on espère que vous allez bien, vous êtes déjà nombreux. Aujourd'hui, je suis avec Seb. On va vous faire faire un petit tour de l'atelier. Et pour ça, on a Martin qui est au cadrage. Voilà, donc on espère que ça va vous aller. On avait prévu au début de faire cette vidéo comme une vidéo du dimanche standard. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça allait être très très long. Et puis on s'est rendu compte aussi que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de direct. Ouais. Donc on s'est dit, bah tiens, on va se faire un petit café à 18h. Hein, et puis, on va vous faire faire tour de l'atelier. Alors, on ne va pas rentrer en détail dans tout, bien évidemment. Parce que sinon, on va y passer 250 millions d'années. Mais on va essayer de vous montrer un petit peu 2-3 trucs stratégiques, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. J'ai voulu faire cette vidéo avec Seb, parce que maintenant c'est notre expert outillage expert. Dis-le, prononce correctement. C'est notre expert. Espérance des prix. Ok, c'est notre expert outillage Bichon TV. Donc si vous ne connaissez pas Bichon TV, bah voilà, vous pouvez aller voir. Voilà, et puis il y a Martin à côté qui a tous vos commentaires et tout. Et si à un moment... il y a des trucs pertinents et tout. Eh bien, Martin, tu nous poseras la question. Grave. Je suis prêt, moi, je vous lis. Tu nous lis. Mais pas vous. Eux. Oui, mais j'ai compris. Ok. Alors, on va commencer dans un ordre stratégique, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va passer rapidement. Donc, on va commencer, en gros, par ce mur, à partir de la porte. Hein, comme ça, tout ce qui est tour et tout, on y gardera pour la fin. On va commencer par ce mur. On va faire tout ça, là. Voilà. Après, on va faire tout ça, là. Voilà. J'enlève le trépied du champ, on s'en fout, on est entre nous. Après, on va faire tout ça. Et on finira par ça, Seb. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Bon, si vous avez des questions, on va faire un petit tour. Si vous avez des questions, bah, vous nous les posez. Et puis, on ne pourra pas répondre à tout le monde, parce que je pense qu'on va être très, très, très nombreux et on vous kiffe de ouf. D'ailleurs, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et voilà, et puis bah, on va essayer de vous présenter ça de manière simple et de manière efficace parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous en voulez pas, on va pas pouvoir rentrer vraiment dans toutes les explications, mais voilà. Est-ce qu'on dit déjà un petit mot sur l'atelier, mon Seb? Bah, pour moi, cet atelier-là, c'est mon petit Disneyland. Oh, il est mignon! Voilà, non mais franchement, enfin, moi je trouve ça génial. Ce que tu as pu, au fil du temps... commencer à avoir pour travailler tout ça, non, c'est... Donc c'est un atelier de, entre parenthèses, maker, ce qu'on appelle maker. Donc c'est-à-dire que c'est un atelier qui est idéal pour un bricoleur plus. C'est un atelier qui serait pas génial pour un professionnel. Qui veut faire de la production. Ouais, sauf si c'est un petit ébéniste et qui fait des petites pièces ou quoi que ce soit, mais ça suffirait pas pour faire de la production. On a des amis qui ont des ateliers de production. C'est des ateliers de 200, 300, 800 mètres carrés. Nous, ça suffirait pas. Si vous vous rappelez, quand j'avais fait mon dressing, j'y étais arrivé, mais j'avais vraiment galéré de ouf. Donc voilà, ça c'est une petite particularité. Malgré tout, c'est un atelier qui fait à peu près 50 mètres carrés. Parce que souvent, on a des questions sur la taille de l'atelier. Donc, c'est un atelier qui fait à peu près 50 mètres carrés. Il doit faire presque 10 par 5. Donc, j'en suis super content. C'est un atelier qui est bien équipé et qui s'est équipé au fur et à mesure du temps. Parce que, comme je vous en ai déjà parlé depuis toujours, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc, tu penses bien que je n'ai pas attendu YouTube pour acheter du matos. Les trois quarts, bah, c'est du matos qu'on a acheté, dans lequel on a investi, et on a quand même la chance maintenant d'avoir des partenaires qui nous suivent, qui nous soutiennent pour Bichon TV, pour les tests et tout, et donc on a la chance par la même occasion de pouvoir tester du matériel. Donc des fois on reçoit du matos, il y en a qu'on garde, il y en a qu'on renvoie, il y en a qu'on prend le temps de vous expliquer, mais en tout cas on le teste, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous dire que, parce qu'on sait qu'on a eu pas mal de commentaires dans ce sens, que bah, cet atelier, en fait, il est amené à changer. C'est pour ça que des fois, quand vous le voyez dans les vidéos, il y a des fois, il y a du Bosch de partout, et puis 6 mois après, il y a un peu plus de Metabo, et puis 6 mois après, il y a un peu plus de Festool, parce que ça va, ça vient, on teste, on renvoie, on essaye, voilà. Donc là, on va vous montrer vraiment comme il est dans cet état. Si ça se trouve, dans 6 mois, bah, ce sera plus le même. Voilà.
Oui, enfin, on va dire dans la gamme électroportative. Dans que la gamme électro, les voilà, ça bécanes, va finir. Les grosses bécanes, elles vont pas bouger. Quoi. Les grosses bécanes restent. On a dit déjà pas mal de choses. On ouais. démarre. Allez. Allez, on démarre. Plein pot. On démarre peut-être par ce coin-là. Cette vidéo est sponsorisée. Non. Ça, c'est juste... c'est la mienne, ça? Ouais. donc, alors, on démarre par ce coin. Ce coin, ici, on a le Tormek. Il y a des choses qu'on va passer rapidement, parce que, bon, ça va pas intéresser tout le monde. Station d'affûtage Tormek T8. J'en suis ultra, ultra content. Livré avec sa petite servante. Moi, j'ai pris ce modèle. Alors... inconvénient, pour moi, il n'y en a pas. Ta grande utilité? Ma grande utilité, je l'utilise à 99,9%. Enfin, non. On va dire j'utilise à 90% pour les outils du tour. Donc voilà, ça, on vous les présentera après. Les outils du tour à bois. Ça, c'est indispensable. J'adore, ça va super bien. Deuxième utilité, c'est tout ce qui va être ciseaux à bois, fer de rabot, etc. Où j'en passe quand même beaucoup. Et troisième utilité, c'est les couteaux de cuisine. Parce que depuis que je l'ai, à chaque fois que les parents ils viennent, non, t'as amené des couteaux, est-ce que tu peux nous les rafuter, etc. C'est tellement génial d'avoir des couteaux qui sont bien aiguisés. Ouais, c'est tellement génial d'avoir un fils ou un gendre qui t'affûte les trucs. Donc j'en suis super content. C'est une pierre japonaise, c'est une meule à eau avec un grain qui est très fin. Donc on dégrossit, enfin on fait le maximum avec la meule et après on retourne la machine et on finit avec le cuir. C'est le même système de cuir que les barbiers. Tu sais, ils ont pour affûter leur coupe-chou, là. Donc, ou que les bouchers. Ou... Oui, voilà, pour enlever le morphile, pour démorphiler. La petite particularité, donc, c'est qu'on a une bande de cuir ici, mais on a aussi deux autres petits disques ici qui sont très spécifiques. Pendant que Martin vous montre, je vais vous montrer l'utilité. Ces deux petits disques, eh bien, en fait, on imagine bien que quand on affûte une gouge comme ça de tour à bois, donc on va ici monter tout un système pour venir guider la gouge. On va faire pareil ici, mais pour affûter dedans, c'est quasiment impossible. Alors que là, on y met de la pâte d'affûtage et ensuite, hop, on va venir pouvoir, grâce à ces petits disques, bah, affûter ça. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une utilisation qui est très spécifique, mais c'est vraiment pour le tour à bois. Alors, comme on disait avec Seb, on est bien d'accord, il y a plein d'autres façons de l'affûter. Et vous voyez qu'à côté, on a un touret Sidamo et qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais ça sert à rien d'avoir ça si tu as ça. » Ça se discute. C'est-à-dire que oui, le mec, ça fait 30 ans qu'il a l'habitude d'y faire sur le touret. Bon, il va y arriver, mais pour moi, c'est pas la même utilisation. Là, avec un Tormek, tu es ultra méga précis. C'est vraiment un peu la crème, quoi. Est-ce que ça, c'est nécessaire à tout le monde? Non. Ouais, il faut déjà être connaisseur. Voilà, là, ça, voilà. Ici, à côté, on a un tour à Sidamo qui est en... Triphasé. Triphasé, parce que dans tout l'atelier, on a installé le 380 volts. Parce que le 380 volts, eh bien, ça nous permet d'avoir des machines de plus grosse puissance. Et vu que, notamment avec les machines bois, on a besoin de puissance... Eh bien, on est bien content d'avoir ces machines, d'avoir le 380. Donc là, c'est un tour à Sidamo, on en est très content. La meule, on l'utilise très peu, quasiment pas, pour des bricoles. Par contre, la bande, on l'utilise tout le temps pour tout. Donc, on peut changer le grain des bandes. On peut passer de l'inox, de l'alu, de l'acier, du bois, tout un tas de choses. Attention. Voilà, donc ça marche super bien, on en est vraiment super content, ça marche très très bien. On a fait des systèmes pour pouvoir venir y brancher des aspirations dessus et tout. Et ce qu'on a fait, on ouais. lit sur roulette, parce qu'il faut que ça soit ici, ça soit mobile, parce que bon, bah, pour pouvoir tourner autour, c'est compliqué, surtout avec la scie à format, vu qu'elle se déplace, bon bah forcément, va falloir bouger cette machine, voilà, pour pouvoir travailler. Et là, tu te rends bien compte qu'avec les roulettes, bah, ça nous permet de bouger. Et on a mis toutes les roulettes un peu partout sur tout ce qu'on a pu mettre pour pouvoir faire des choses polyvalentes, qu'on puisse bouger, puisse travailler sur un poste de travail. Ouais, parce que comme on vous disait au début, même si c'est l'atelier de mes rêves que je suis très content d'avoir et que j'adore et que je pense que je vais utiliser jusqu'à la fin de ma vie,
c'est toujours trop petit. Alors, c'est sûr que pour certaines personnes, il y en a qui vont dire « Ah, bah dis donc, trop petit, mais c'est quand même petit pour ce qu'on fait. » Et nous, on a pas mal de machines. Et donc, du coup, on a décidé avec Seb d'optimiser tout ce qu'on pouvait et de mettre sur roulette tout ce qu'on pouvait. Voilà. Donc, là, le Tourin, on l'a mis sur roulette. Derrière, on a 2-3 EPI. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, Seb. Mon petit casque chéri. Mon casque chéri que tout le monde... Putain, qui marche bien, hein. Que tout le monde me dit à chaque fois, ah, mais c'est quoi, machin. Donc c'est, tiens, regarde, Martin, tu peux filmer. Peltor WP Alert XP. Alors, vous pensez bien que nous, comme d'hab, on n'a rien à vendre, hein, mais que dans cette vidéo, ben, on va vous donner plein de marques, etc. En sachant que tout se vaut. Il y a peut-être d'autres marques de casques, il y a peut-être... Voilà, donc ça, là, tu peux, donc réduction de bruit, tu peux téléphoner, machin, c'est ça? Ouais, donc réduction de bruit, tu peux téléphoner, tu peux... Bah, c'est simple, je te vois tout le temps. Oui. Bah, moi, je l'ai tout le temps. Recevoir un appel, machin, Bluetooth. Donc, ouais. Tu peux écouter Spotify, un radio bichon, par exemple. Par exemple. Voilà, tu peux vraiment tout faire. Moi, je l'adore. Et il a des systèmes où dessus, tu peux brancher des intercoms pour te parler entre casques. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est vachement bien. Ou même quand tu es sur un chantier. Ouais, ouais. Même quand tu es sur un chantier, eh bien, comment dire. Bah, tu es à distance. T'es, ouais, t'es, voilà. Ça remplace un peu des Tokyo. T'envoies l'apprenti, tu lui dis va remonter le courant, machin. Ouais. Ça remplace un peu des Tokyo Walkie. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on a un casque comme ça, je m'en sers tout le temps. Ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Je l'adore. Jour il pète, j'en rachète un direct. Ouais. Après, on a des casques normaux. Bah, celui-là, il atténue vachement le bruit. Hein. Ouais. Celui-là, là. Je sais pas combien de dB de moins. 86. Celui-là, tu le mets, ça coupe. Hein. 86, ouais. Ah ouais, je le mets, je suis sourd. Hein. Non, non, mais vraiment, il est nickel. Donc ça, après, on a des lunettes, on a des lampes frontales, on a des masques anti-poussière, on a tout un tas de choses. Ici, bah Seb, je te laisse chargeurs. Présenter ça. Les petits chargeurs les plus courants. Donc, on n'a pas pu tout mettre, hein, parce qu'on a de plusieurs marques. Mais on va dire c'est les principaux, c'est ceux qu'on utilise assez fréquemment et on vient les brancher quand on a besoin de recharger. Alors moi chez moi, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je l'ai un petit peu upgradé le mien avec des petits interrupteurs où je peux charger quand j'ai besoin. J'ai marqué avec des petites étiquettes, je me suis fait plaisir. Hein. Non mais toi, ton système, il est carrément mieux que le mien. Mais ça prend pas beaucoup de temps et moi, puis j'ai pris vraiment de plaisir à y faire. Mais l'avantage, enfin nous, ce qu'on adore, c'est de pouvoir les suspendre au mur parce que vu qu'on en a partout. Surtout dans l'atelier. Si on est avec un camion de chantier ou quoi que ce soit, bon, c'est pas pareil. Mais dans un atelier, c'est quand même bien d'avoir un endroit où tu as quasiment tous tes chargeurs. Et d'ailleurs, il nous manquait même de la place. Ouais, on a été obligé d'en remettre là-bas. On vous fera voir après. Tu parles du HVLP. La station de peinture HVLP. Donc là, on est chez Wagner. Alors là, on est pareil dans un truc qui est un peu vraiment pro. Ouais. Et c'est de l'HVLP. Donc c'est-à-dire que si vous avez qu'un pistolet à acheter, faut pas acheter ça. Vaut mieux acheter un petit carless ou quoi que ce soit, mais on fait pas la même chose avec. Ça dépend ce que vous voulez faire. Ouais, on fait pas la même chose avec. Là, on est vraiment sur une station de peinture qui va être idéale pour laquer, pour vernir. Voilà, c'est vraiment de la très basse pression. Très fin. De la peinture avec de l'air. Mais c'est très qualitatif. Ouais, peinture avec de l'air, c'est très qualitatif. Avec ça, tu laques un piano. Hein. Mais par contre, c'est vraiment un usage très spécifique. Tu vas pas faire un mur de... Ouais. C'est pas fait pour faire un mur de, tu vois, tu tapes pas un mur avec ça. Tu tapes pas 300 mètres carrés de plafond avec ça, quoi. Tu prends un airless pour faire un mur avec ça, tu vas faire du laquage, des trucs, ça va faire une finition, mais ça te balance beaucoup moins de peinture qu'un airless directement, quoi. Ouais. Donc avec, on a deux godets, tout ce qu'il y a de plus simple et tout. Nous, pareil, là, on l'a installé un peu en fixe parce que celui-ci, on s'en sert les trois quarts du temps en fixe. Mais sinon, on peut le décrocher et l'emmener sur le chantier, etc. Avec, on a un peu de trucs. Des petits gabarits, bon, divers et variés pour faire des plans de travail, tout ça. Là, on a les outils de la toupie. Ouais. Enfin, ils sont pas tous là, mais on en a pas mal. Donc ça, c'est vraiment pareil, hein. C'est pas les... Ça, c'est vraiment pas le truc. Il faut avoir une toupie, déjà. Et bon, t'imagines un petit peu l'histoire, là. Ça, c'est des lames de rasoir. Donc, chaque outil a une utilité. Par exemple, ça va être l'outil micro-denture. Donc, on voit bien que là, ça sert à faire des micro-dentures et à bouter. Donc, bon, ça va plus parler aux menuisiers, aux ébénistes, ouais, aux charpentiers ou aux gens qui ont des toupies chez eux, qui ont un petit combiné bois, ouais, un truc aussi, comme ça. Ouais. Ouais. Bon, là, c'est la marque Zach, c'est français. On adore, hein, on n'est jamais bien embêté avec ça. On va pas vous en parler plus que ça parce qu'on en a déjà mis dans plein de vidéos.
Et voilà, au-dessus on a toutes les lames de scie. Ouais, finition. Donc lame de scie pour la grosse bécane et lame de scie pour la fesse, pour les festoux, pour les scies à onglets qu'on teste, etc. Métabo, les inciseurs, tout le pataquès, les ilti, les machins, deux, trois petits accessoires. On continue avec quoi, mon Seb ? Bah, je sais pas, si tu peux parler vite fait de... On peut peut-être parler de la grosse mémère, quand même, même si les bichons la connaissent depuis le temps... Ouais, attends, je pousse ça ! Même si les bichons la connaissent depuis le temps qu'on s'en sert, il n'y a pas une semaine où on s'en sert pas. Ouais, elle tourne, ouais. Elle tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une scie à forme... Toupie scie Felder. C'est la KF700, je crois. KF700 ou KF700S. Je ne me rappelle plus. KF700S, Felder. Alors, super machine. Si vous devez acheter une machine à bois, que vous n'en avez pas et que vous voulez acheter une vraie machine à bois pour la première fois, on vous conseillerait plutôt un combiné. Parce que le combiné, des fois, ça va rester raisonnable en prix et puis vous allez tout avoir sur la même machine. Donc, ça, c'est nickel. Nous, on a préféré, quand on s'est équipé de tout ça, avoir des machines un peu plus séparées. Ah oui, mais bien. Même là, elle est un peu trop contre le mur. C'est-à-dire que si vraiment on voulait l'optimiser de ouf, il faudrait pouvoir faire le tour. Après, c'est toujours pareil, on essaye de faire des compromis entre la taille, la place qu'on a, etc. Donc, on a une scie. Bah, au pire, tu peux la... Attends, regarde, je vais... Hop. Donc on a la chance, c'est pas une numérique, donc c'est une professionnelle, mais ça c'est vraiment, on est dans une gamme artisan et pro. Ouais. On peut, ça c'est déjà des machines qui sont faites pour tourner, on peut bosser 8 heures par jour avec, mais on n'est pas dans l'industriel. Mais il y a encore, ouais. Il y a encore voilà, disons encore que sur une échelle de 0 à 10 dans le pro, là on est à 5. Enfin, t'as la production de masse. Voilà, et après t'as les mêmes machines avec ces toutes électroniques, numériques, etc. Donc nous elle est déjà électrique. Donc c'est-à-dire qu'on a des montées-descentes de lames électriques. Voilà. Précision de fou, ouais, au dixième. On a orientation de la lame électrique aussi, à 45 degrés. Et elle compense aussi, ouais. Et elle compense, à mesure qu'on l'oriente, elle va se relever pour compenser la hauteur. Donc on a ça. On a donc un chariot. Qu'on adore, avec bien sûr le guide parallèle. Attends, je vais la rebaisser pour pas qu'il y ait d'embrouille. Et hop, on va mettre un coup de... On va quand même mettre un coup de poing. Là, on a le chariot. Donc celle-ci, c'est un modèle de chariot de 2,50 m. Voilà. En sachant qu'il existe plus gros, ça va jusqu'à 3100 ou 3200. Un truc comme ça. Mais bon, avec ça, on imagine qu'on peut déjà passer des sacrés panneaux. Moi, j'ai fait tout mon dressing avec. Mmh. Et en fait, elle a été étudiée spécialement pour... Parce que tu vois, j'aurais pas pu avoir un chariot plus grand. Si j'avais pu, j'aurais pris un chariot plus grand. Mais là, je suis quasi embuté là. Et quand je l'envoie au fond, je suis quasi embuté contre le tour. Tout est optimisé. Donc, on a ça. Et donc ça, c'est fait pour... C'est ce qu'on appelle une scie à format. Parce que dessus, on peut mettre une table... avec une extension qui est ici et en gros qui nous fait une table complète. Ça, ils l'ont vu un paquet de fois. Mais voilà. Pour couper des cuirs, c'est carrément top. Enfin, je veux dire, moi j'ai une, tu sais, la boche. Et pour couper, tu peux pas faire la même chose qu'une scie à format. Mais bon, tu vas arriver à débrouiller, mais là, pour faire tes coupes d'équerre, c'est le top. Faut avoir la place et puis... Donc là, quand on installe la table à format, on vient la mettre ici et on l'installe là-dessus. En gros, là, il y a un bras. Hop. Et donc, il y a une partie qui se met là et une partie qui vient se mettre là. Et donc, bah, ensuite, ça nous fait, on peut mettre un grand panneau avec. Donc, on en est bien sûr archi content, ultra content. On s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la deuxième particularité de cette machine, comme on vous l'a dit, c'est une toupie scie. Donc, elle fait scie, mais elle fait aussi toupie. Et là aussi, on est sur de l'automatique. Hop. Hop. Là aussi, on est... sur de l'automatique. Donc on est en arbre de 30. Et donc ça va nous servir à venir y installer tous les outils qu'on vous a montré tout à l'heure, les outils bleus, qu'on va venir mettre là. Là, il y a le gros guide qu'on met par-dessus et on peut s'en servir, nickel. Il y a l'entraîneur aussi. Ouais, ça c'est bien parce que ça permet de garder une vitesse constante.
Ouais. Ça, c'est important. Donc, on a aussi un entraîneur. Non, mais là-dessus, on est bien équipé. Puis là, voilà. Puis ouais. La sécurité. Patrick Rapido qui t'a fait un don de 5 euros. Ah, Patrick, bah merci. Patrick, merci pour tous les bichons qui font des petits super chats. Et puis, Patrick, il fait beaucoup de commentaires. Donc, je te remercie, Patrick. Parce que... Ouais. Patrick, actif sur une des dernières. Sur les vidéos des trucs à batterie, là, non? Je le vois très très souvent dans les commentaires des vidéos, c'est cool. Donc voilà, la toupe ici, pour les trois quarts des menuisiers, des pros qui nous regardent, bon, rien d'extraordinaire. Pour les particuliers, ça va les faire rêver, les bricoleurs. Ouais, nous, on est pros et ça nous fait rêver. Ouais. On l'adore. Donc bien sûr, il y a mieux, il y a moins bien. Mais ce modèle, on en est très 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 content. D'autant plus que ça, c'est des modèles, si tu les entretiens bien, tu les gardes une vie. Hein. Tout ça, c'est branché sur un système d'aspiration centralisé qu'on vous fera voir après. Où l'aspirateur se met en route en même temps que la machine. C'est-à-dire que là, je ne vais pas le faire parce qu'avec les micros, ça va être le bordel. Mais quand on enclenche la machine, l'aspiration se met en route. Ouais, un peu comme tu brancherais l'aspirateur avec Un peu comme le système machine, Festool. Quand tu plongeant, tout ce que tu veux, paf, ça démarre. Sur tout le système, on a des guillotines. Donc, où on peut, en fonction de la machine, on peut décider de dire là on n'aspire pas parce que je veux que le flux il soit plus loin, etc. Donc quand on se sert d'une machine, on ouvre ici et chut, ça aspire tout. Bon là on a 2-3 conneries, machin, un sit-jab, des pousseurs. Là on a les accessoires toupie et tout. Et Seb, tu peux peut-être parler des rails. On a les rails de guidage. Et puis parler de la machine, un peu. Ah, les rails de guidage Festool, donc on a toutes les tailles. C'est le 3 mètres celui-là. Ouais, ça c'est le 3 mètres, super. Voilà, 3 mètres, tu vois, il faut qu'on change le pare-éclat. La prochaine fois qu'on s'en sert, on va le changer. Voilà, tu vois, comme quoi ça, on s'en sert beaucoup pour couper les panneaux. Après, on a toutes les tailles, on a pour aller sur la table MFT, etc. On a le 1m40. Là, c'est lesquels qu'on conseille aux bichons? Alors, pour commencer, moi je dirais le 1m40. Ouais, voilà. C'est le plus polyvalent. 1m40, pour commencer, c'est le plus polyvalent. Après, peut-être le 80. Je dirais. Ouais, 1m40, 80 et après 3m. Mais moi je suis pas fan de les rabouter ensemble. Ouais, non. Et après, tous les vendeurs de rails vendent des systèmes qui vous permettent d'en assembler plusieurs pour agrandir. Mais nous, enfin, on préfère avoir un grand rail plutôt que. Et tous les rails de guidage comme ça que j'ai vu rigides, pour la plupart des marques, sont compatibles. Ouais. Ça veut dire que si tu as déjà un rail d'une taille et que tu veux pas racheter un autre rail d'une autre marque, bah, la plupart du temps, en tout cas sur ce que j'ai vu, eh ben, tu peux t'en servir. C'est les mêmes, et ça c'est bien, c'est compatible. Pas obligé de racheter un rail de chaque marque différente, en tout cas pour celle que j'ai pu tester. Après, on a la KGS, la 216. Ouais, ah, celle-là, on l'adore. Sur batterie. Tiens, bah regarde, on va la poser là, ici. Il y a Maxime Pennec qui demande comment vous l'avez mis en place la scie. On en a chié. Alors, en fait, les bichons, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on va vous présenter, on a plus de 400 vidéos sur YouTube et vous allez tout retrouver. Et on a une vidéo sur YouTube, où on a filmé quand les machines arrivent et que les collègues de Felder nous ont aidés à les régler et tout. Ouais. Donc c'était, en étant honnête, là par contre, c'était infernal. On s'est vraiment fait chier. Là, t'as intérêt d'avoir un transpalette. Non mais un truc, je sais pas, ça fait 600 kilos. Hein. Alors donc, camion haillon jusqu'à Ralacour. Après, il a fallu faire des systèmes... pour monter la marge de lait, on s'est fait chier, mais elle est là. Voilà, on est bien content. Et on a fait une vidéo dessus, où si Maxime veut aller voir, il va voir. Donc, ben, je reprends le flambeau. La digue d'Aved, attends une seconde, qui a fait un dent de... Alors, ça doit être des francs suisses, CHF, si tu dis pas de bêtises. Ouais. De 100 francs suisses. Ah, il te met un message, il dit bonne chance pour la maison. Ah bah merci, merci, merci. Oui, parce qu'on a les Suisses qui nous écoutent, les Belges, les Canadiens. Du monde au Japon, île de la Réunion. Y a incroyable. Du monde. Japon, île de la Réunion, bah putain, c'est dingue. Bah, il y a Nico dans le chat aussi. De quoi? Il y a Nico, maçon des 47. Ah bah voilà, salut à tous. Merci à Martin de nous relayer ces fameux commentaires. On pourrait pas, ouais. Parce que nous, on peut pas être au four au moulin. Donc, celle-là, faut qu'on en parle. Ouais. Parce que d'une, on l'adore. Bah pour faire le, voilà. On l'adore, elle est sur batterie, donc tu l'emmènes où tu veux, tu fais pas chier qu'un fil. Après, voilà, elle a ses domaines d'application. Ouais. Hein, avantage, inconvénient. Oui, il n'y a pas de machine parfaite. Hein. Je dirais qu'il y a une machine pour chaque utilisation. Mmh. Celle-ci, c'est pas fait pour couper du massif. Mais là, mais c'est pas fait pour couper du gros truc. Oui, du gros, oui, faut que je m'explique. Parce que ça peut être une planche de 27, c'est du massif. Oui, oui. Mais enfin, pour couper des grosses épaisseurs. Des grosses sections, Mais par exemple, quand on a fait les lames de terrasse de la piscine.
Ça, c'était l'idéal. Quoi. Ouais. Je veux dire, on l'a mis sur la. Comment tu l'appelles du tabac, la tarouette. La tarouette. Sur la tarouette, tu vois, c'était top. Et bon, bah oui, l'avantage, c'est d'avoir les batteries. Moi, j'adore, c'est les batteries. Les batteries de système casse. Batterie métabo, système casse. Voilà. Donc, souvent, il y en a plein qui nous disent ouais, vous êtes pro métabo. En fait, on est pas. On non, adore métabo. Non. Mais toutes les marques valent. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous disait. Bosch fait des trucs extraordinaires, DeWalt fait des trucs extraordinaires, Milwaukee fait des trucs extraordinaires, Festool on n'en parle pas, Maffel, etc. En ce moment on teste pas mal de métabo, mais quand même, on doit dire que de tout ce qu'on a testé, même chez métabo, honnêtement, on est rarement déçu. Ouais. En gamme généraliste. Alors, donc pour résumer, si tu dois acheter qu'une seule scie anglaise, c'est pas celle-là qu'il te faut. Faut en prendre une plus grosse qui sera plus polyvalente. Par contre, celle-ci, bon rapport qualité-prix, c'est pas la meilleure en précision, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, mobilité parfaite, le poids parfait, les fonctions parfaites, et à batterie, avec une bonne autonomie. Et par contre, pour faire, comme tu disais, de la terrasse, de l'ossature bois, du bardage. Ouais. Machine de chantier, quoi. C'est le top. Tu veux une scie anglaise de chantier. C'est vraiment bien. Après, bon, si tu fais de la charpente, c'est pas ce qu'il te faut. Et si tu fais de l'ultra précision, là, on est sur une machine, je sais pas, qui doit être dans les 300 balles. Tu fais du bardage. Voilà, c'est pas là. Alors, tu sais, elle est livrée avec. Il y a un laser. Hein, mais ouais, c'est pas. Laser, sur des machines comme ça, je veux pas dire ça vaut rien, mais c'est pas terrible. Moi, je suis pas fan du laser. Non. Cette machine. Autant, voilà, tu as une plus grosse machine. L'autre qu'on verra après, le laser est mieux, etc. Autant, bon, là, c'est plus pour amuser la galerie, mais c'est normal à ce prix-là. Par contre, c'est une excellente machine entrée de gamme professionnelle pour bosser dehors et en mobilité. Puis on s'en sert, nous, on s'en sert beaucoup, beaucoup. Ben, je crois que de toutes les scies anglaises qu'on a, c'est celle qu'on se sert plus. Voilà. Tu sais, des fois, tu as besoin de couper un bout de planche à l'arrache ou tu n'as pas besoin de beaucoup de précision. C'est vraiment... Et puis c'est vrai, elle est bien. Hein. Moi, franchement, elle est bien. Après, elle est bien dans son domaine d'application. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. On continue, bah laisse-la là. Ouais. On continue rapide là, on voulait vous montrer ça. Quelque chose d'hyper spécifique, hein. Bon pareil, si vous êtes bricolo, vous n'avez pas besoin de ça. Mais les pros qui nous regardent, c'est Felder qui fait ça, c'est la FAT 300. Table établie, roulant, réglable en hauteur. Génial, une super assistance. Monte dessus Seb. Mais là je vais même pas faire un quart de... Voilà, tu fais quel poids, Seb? Je sais pas, faut le dire, c'est indiscret. C'est indiscret? Ouais, bah, toi, ça va 70, là. Je sais pas. 70? Ouais. C'est beau gosse, 70 de muscles. Donc voilà, donc on peut monter, on peut descendre, et surtout, bah, c'est extraordinaire parce que bah, ça nous fait des bonnes rallonges. Tu vois, on peut rallonger l'établi, on peut vraiment travailler dessus, il existe tout un tas d'accessoires. C'est cher. C'est très cher, et c'est très cher parce que c'est un outil professionnel qui est destiné à des gars qui font de la prod. Par exemple, on a un pote qui fait de la prod, qui avait fait la charpente et tout, et des tables comme ça, il en a 5-6. Ça, il transfère une fois d'une machine à une autre. Voilà, mais lui, il s'en sert 8 heures par jour et tout. Donc, pour un bricoleur, je suis pas sûr que ce soit... Ou alors après, il faut essayer de vous en fabriquer une. J'en ai vu faire, mais bon, il faut déjà avoir du... Ouais, il faut déjà avoir un peu de level. Mais c'est vraiment bien. Moi, je m'en sers beaucoup quand des fois, je peins des trucs. Un meuble, une armoire, bah tu sais, au lieu de te faire chier en haut en bas, bah tu es toujours à la bonne hauteur, tu montes, tu descends, puis après, hop, voilà. Moi je me sers mon ascenseur, mon ascenseur, je préfère. Ouais, ouais, bah oui. Mais bon, il est pas mobile le mien. Et donc, bah on en est super content, c'est très costaud, on s'en sert pas tous les jours, mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. À côté, l'aspirateur, tu peux peut-être en parler, Seb? Ouais. Rapide, et comme ça tu peux peut-être même parler aussi du petit Festool qui est plutôt à la maison, parce qu'en fait il y a beaucoup d'outils que vous n'allez pas voir là, parce qu'en ce moment vu qu'on est en train de bosser à la maison, on a beaucoup de matos en haut. Aspirateur métabo décolmatage automatique, donc ça c'est pratique, surtout si tu fais du plâtre pour poncer, ça c'est top. Celui-là il a le bip, donc quand il a une perte de pression ou quoi que ce soit. Une perte d'aspiration, ouais. Une perte d'aspiration, enfin il détecte qu'il n'y a pas assez de débit, il se met en alerte. Ça c'est pour protéger la santé, ça veut dire que si tu fais quelque chose de nocif, bon bah voilà, s'il aspire pas assez, il te prévient. Après des fois il se met à biper un peu facilement, parce que des fois si on met des petites bécanes, bon bah le débit il est un peu plus réduit. Donc du coup il se met des fois à biper pour rien. Enfin pour rien. Voilà, c'est le seul petit inconvénient que je dirais, mais sinon, pareil. Ben ça, c'est l'aspirateur de l'atelier.
Tu vois, il reste que là. Et après, on a l'aspirateur. On a les petits aspirateurs Festool en système air. Pareil, génial. On s'en sert plus pour le bois. Et le gros aspirateur, le CTL36. Et on a encore un super chat de Johan Guillet qu'on remercie. Merci. Et on a aussi ouais, le CTL36, pareil, on s'en est servi beaucoup pour le plâtre. Ouais, le Festool qui est quasi en haut, parce que vu qu'on a beaucoup poncé... Ça beaucoup... fait combien de temps que tu l'as, le Festool? Ça fait plus de 10 piges. Oh, ça fait plus de 10 ans. Ouais. C'est intuable. Le... Si, le plastique, ouais, le cache mais... plastique du dessus. Il a dû prendre un choc. Ouais, ouais. Seb a dû faire tomber un truc dessus. Le cache plastique a un peu morflé, mais et, sinon et il savoir nickel. Que par contre tu peux acheter toutes les pièces en détail. Oui, c'est vrai. Ça c'est cool. C'est vrai. Pas obligé de racheter aspirateur ou le machin. C'est vrai. Donc là on a nos magnifiques WC. On n'a plus besoin de vous montrer parce que voilà, c'est des chiottes. Après, avec cette magnifique super porte à 45 degrés unique en son et genre. La... Et on a fait deux vidéos là-dessus. Voilà, et j'en ai chié, j'ai pleuré du sang, mais je suis très très fier de moi parce que elle est parfaite. Franchement, pour un plombier... Ouais, ça taquine un peu. Là, ici, on a des petits réglets. Voilà, là, on a notre bac à laver qu'on avait fait, on voulait filmer, etc. Toujours l'aspirateur qui revient où on colle tous les autocollants sur tous nos trucs, on colle tous les autocollants des copains. La scie à ruban Hammer. Donc Hammer, super bonne marque si vous avez un combiné à prendre, etc. Hammer, c'est très bien. C'est une filiale de Felder et ils font du matériel un petit peu moins cher pour les... C'est du pro entrée de gamme, vraiment. On est déjà dans le pro plus plus. Là. Ah oui, on est déjà dans le pro, dans le pro quoi. Oui, oui. Dans le pro, dans quelqu'un qui a une petite menuiserie ou un... Voilà, et eux, ils font, donc cette marque fait des combis, fait beaucoup de choses très intéressantes. Donc là, nous, on l'adore, on s'en sert relativement quand même souvent. Elle est en triphasé aussi, on a un gros ruban, mais on a aussi la possibilité de mettre des tout petits rubans très fins pour faire un peu du chantournage, qui sont ici, là, voilà. Là, comme vous voyez, il y a des tout petits rubans, donc de quoi? De 6 mm. Donc tu vois, on a 6, on a 13, on a 10, et là, ça doit être un 22 ou un 25. Donc tout est réglable en hauteur, la table s'incline, et là aussi on n'a encore pas eu le temps de mettre les roulettes définitives, mais on y a posé sur un système de roulettes de déménageur, parce que pour pouvoir aussi la virer quand elle nous fait chier quoi. Et elle est aussi branchée sur, en triphasé, donc branchée sur le système que quand on l'allume, ça met en route l'aspirateur. Voilà, le poêle que vous avez tous vu, qu'on a fabriqué, le poêle à bois qu'on sert tout le temps. Franchement, je le trouve trop design en plus. Ouais. Ouais. Donc, on a fait une vidéo complète, on l'a tout fabriqué et on s'en sert. Mais toute l'année. Enfin, tout. Non, mais dès que ça caille, on s'en sert. On chauffe quasiment qu'avec ça. Ça marche formidablement bien. Du fait qu'en plus, on a l'atelier, on a toujours tout un tas de chutes qu'on vient stocker là et tout. Et ça fonctionne de ouf. On en est vrai content. On a tout fabriqué, même les poignées. Ouais. Franchement, voilà. Il est vraiment classicissime. Donc l'hiver, on arrive avec Seb. Là, on met des pots de clémentine. On se bouffe des clémentines, on met des petites pots. Comme ça sent super bon, comme quand on était chez nos mamies, quand on était petit. Et on se fait un petit café, une petite cafetière italienne. On se fait un petit café, on le pose là, un quart d'heure après, goup. Et on le boit et c'est très bon. Bon, là, on a deux, trois trucs qu'on a fait. Le bois, là-haut. Je vais prendre... Ah, merci, Seb. Tiens, ça on merci, mon petit bâton. Donc là-haut, c'est là-haut qu'on stocke notre bois. Pas tout, parce qu'on en a aussi dehors, parce que là, c'est trop petit, il faudrait quatre fois la place. Mais pour un petit atelier amateur, ça va bien. Donc, bon, on a un peu de tout. On a des choses avec les collègues de chez Sautrin, là. C'est super, là, on prend maintenant. On a des cardrons pour la maison, on a des plinthes, on a des ronds. Ça va être les... On vous spoil pas tout, mais ça va être les perchoirs du poulailler. Voilà. On a un peu de moulure au rack, là on a du frêne, là on a des tasseaux de sapin, frêne, du chêne, ça c'est du sapin, chêne, ça doit être du chêne, du sapin, du pin, de la lame à volet aussi, on a fait un super, une super vidéo avec que vous verrez à la rentrée dans la saison 3. On a un peu de médium, du mélèze, du Douglas, des moulures, de la mousse,
parce que j'ai une de mes filles qui veut être tapissière d'ameublement, et donc des fois, et ben avec elle, on fabrique des petits sièges, des petits trucs, donc j'achète des petits carrés de mousse, et puis de temps en temps, on bricole ensemble. Merci. Mon petit Seb. Tu présentes là le un peu le coin, là, vite fait. Il y a le bac à chute, ça t'as fait une vidéo. Ah, le bac à chute, qui est ça, génial. Je suis content que tu l'aies fait, parce que quand on ouvrait la porte là, c'était un petit peu la misère. C'était la guerre. Mon petit bac à chute qui va bien. Les six égoïnes. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est les outils... ça, c'est le premier truc à acheter, ça, quand même. Outils avec des grosses dentures. Denture fine. Voilà, denture fine, etc. Pour plonger. Ça, avec les scies à dos. Les coupes d'onglets, etc. Ah, ça, je te laisserai présenter ça, par contre, Laurent. Ça, c'est rapide. Hein. Ça, c'est des maillets qu'on sert. Ça, c'est des maillets qu'on a fabriqués autour à bois, que j'ai fabriqués. Ouais. Autour à bois que j'adore parce que voilà, et ils ont une petite particularité, c'est qu'en fait je les ai fait dans un bois dur, donc qui est du hêtre que j'adore. C'est avec ça que je me sers aussi du hêtre parce que c'est très bon pour les manches d'outils, mais le hêtre c'est aussi ça a des propriétés alimentaires, et donc je m'en sers aussi quand je fais des rouleaux à pâtisserie, des choses comme ça. Et puis là, tu vois, j'ai fait des incrustations avec du itoba, ça c'était des chutes de notre lame de terrasse. Et par contre, la particularité, c'est qu'ici, vous voyez que c'est pas le même bois au bout. Il y a des tampons en sapin, parce que quand on vient taper pour faire un ajustement, il faut toujours taper avec un... Soit il faut mettre une cale martyre pour pas abîmer le bois qu'on tape, mais si le marteau est en bois plus dur que le bois sur lequel vous tapez, eh bien, ça va faire une marque. Donc, vu que le sapin, c'est quasiment ce qu'il y a de plus tendre, eh bien là, c'est impeccable parce que quand j'ai un bout de chêne à recaler ou quoi que ce soit, je tape dessus avec le côté en sapin et ça ne m'abîme pas le chêne. Voilà, donc ça, c'est des trucs que tu fais en... Tu fais en quoi? Tu fais en une demi-heure, hein, mais tu vois, ça marche bien. Puis je vais peut-être les garder longtemps. C'est joli en plus. Moi, je trouve classe. Hein. Ouais, merci, t'es trop gentil. Pas de la gentillesse, je sais bien. Donc là, on a des petits des poussoirs, petites hachettes pour refondre du bois, etc. Marteau, les petits rabots, plein de conneries, voilà, des trucs. Petit panneau au système Elstrom, là, qu'on aime bien. Système Elstrom, on avait fait une super vidéo sur Bichon avec eux, sur Bichon TV. Aménagement de camion. Ouais, comment aménager un camion utilitaire ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est des gens qui fabriquent de l'agencement utilitaire, mais qui fabrique aussi, qui propose aussi des systèmes pour les ateliers. Voilà. T'avais quelque chose à nous dire, Martin? Ouais, il y a Bois Métal qui demande si on a prévu un truc sur la chaude Saint-Astier. Oui, Bois Métal, on a prévu des trucs sur la chaude Saint-Astier. Ça va se passer sur Bichon TV, on leur dit. Pour la carrière? Ouais. On va aller visiter la carrière. Donc on va rentrer dans les mines et tout, et on va tout vous filmer. Et ça, c'est sur Bichon TV, uniquement. En exclusivité sur Bichon TV. Et après, il y a plein de questions sur Seb, est-ce que tu reprends les chantiers et tout, peut-être leur bah, ça, alors pour toutes les questions par rapport à Seb, qui est... On va pas vous donner les réponses, parce que les réponses, vous allez les avoir dans le prochain hors-série. Dans la hors-série de la FAQ, on vous dira tout. Voilà. Vous saurez tout. Vous saurez si je bats Seb, si Seb il est bénévole et tout. T'as vu comme je boite un peu? Oh, cette année à Noël, t'as quand même eu quoi? Une orange. Ouais. Et des papillotes, c'est pas mal. C'était cool. Voilà. Après, la défonceuse sous Donc table. Seb bosse, vous le verrez dans la FAQ, mais Seb bosse à temps plein avec l'équipe des Bichons maintenant. La team Bichon. Voilà. Et on vous explique tout dans la foire aux questions qui va arriver à la prochaine vidéo. Défonceuse sous table, Festool. Qui ne se fait plus. Qu'on adore, mais qui malheureusement ne se fait plus. Festool a été obligé de l'arrêter parce que ça répondait pas à... Elle est un peu en bordel. Tu veux boire un coup? Je veux bien, ouais. Tiens, tu nous le dis. Hein. Merci. Donc en gros, la Commission européenne... Enfin... Pour te raconter la petite histoire, Festool avait sorti tout un tas d'accessoires, parce qu'on adore Festool, c'est vrai, on n'a jamais été déçus. Festool avait sorti tout un tas d'accessoires qui s'appelaient les CMS, les modules CMS. Donc en gros, tu pouvais changer, mettre une défonceuse sous table, enlever, mettre un module ci, etc. C'était fabuleux, c'était merveilleux, c'était précis, on s'en sert encore tout le temps, c'est pour ça qu'on l'a gardé même si on a la toupie.
Et tout d'un coup, ils ont reçu un coup de fil de l'Union européenne, de je sais pas trop quoi, qui a dit « Oui, votre truc, c'est pas aux normes par rapport à tout un tas de choses, vous devez les arrêter. » Ils les ont arrêtés. Donc, depuis qu'ils les ont arrêtés, j'ai un bichon par mois qui m'envoie un message en me disant « Je te la rachète plein but. » Je lui dis « Non, je la garde parce que je l'adore. » Et c'est bien dommage. Donc, Festool, si vous nous entendez, on espère vraiment que vous allez trouver une solution pour en refaire. Parce que c'était vraiment formidable, en sachant que si vous voulez vous faire une défonceuse sous table ou quoi que ce soit, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Ouais, il y a pas mal de tutos. Il y a plein de tutos. Donc là, c'est un module complet. Alors là, on a des rallonges, c'est pas tout ici, hein, je te dis, on en a de rangé un peu partout, on peut mettre des rallonges. Je m'en sers beaucoup, vous la voyez tourner souvent dans les vidéos. Dessous, il y a une défonceuse Festool OF2020 qui a été montée. Je sais pas si tu veux y montrer ou pas, enfin c'est une défonceuse qui est dessous. Voilà, peut-être tu t'en fous, voilà. Et les gars dans le chat, il y a une minute de décalage entre le moment où vous posez les questions et où je peux les lire, donc vous affolez pas, on les lit. On les lit. Et il y a Bruno dans le chat. Bruno Chiron, notre ami plombier de Créteil, qui est extraordinaire. Salut Bruno. Salut Bruno. Salut Brubru. Là-dessus, on a une bouteille de gaz normale qui nous sert à deux choses, à recuire les tubes de cuivre et à... Et allumer le petit poêle. C'est extrêmement rapide. Mais tu sais qu'avec le barbecue, j'allume mon barbecue. Ouais, mais c'est génial parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était super chiant d'arriver et d'allumer le feu avec le briquet, le papier, mettre des cubes allume-feu. Donc, si tu veux, nous, on charge le poêle, on y fait péter un coup de chalumeau, on compte jusqu'à 10 et c'est bon, c'est allumé, ça va bien. Donc, ça ne nous sert pas qu'à ça, bien sûr. Mais entre autres choses. Seb, je décale ça et tu présentes les serre-joints. Ouais. Bah, les serre-joints, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on les présente ensemble? Ouais, c'est super. Toi, tu préfères présenter le petit électroménager, c'est le petit électroportatif. Le nouveau four de chez Siemens. N'a rien à voir avec le Whirlpool. Donc, les serre-joints, on en a jamais assez. Ouais. Et là, quand tu étais au collage, des fois, il y avait presque plus rien. Ouais, des fois, on colle des plateaux, il en reste 3 sur le rack. Hein. Tout le reste, c'est tout collé. Il y a plusieurs marques, t'as Besset. Ouais. Donc, on a Besset, très bonne marque. Pierre, aussi, très bonne marque, qui est très bon rapport qualité-prix. Ouais. Et on a aussi TechPro, c'est la marque à Foussier qu'on adore. Vous savez qu'on bosse beaucoup avec Foussier. Et en fait, on a beaucoup de TechPro, c'est les oranges, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont très bon rapport qualité-prix. Ensuite, parce que souvent, ils font des lots, ils font des packs, donc genre, tu t'en achètes 6 d'un coup. Et puis, ils sont très robustes, ils sont très qualitatifs, on adore, c'est ceux qu'on a le plus. Voilà, donc pour les serre-joints, c'est vrai que souvent, on entend, dis donc, ce paquet de serre-joints, vous en avez trop. Et puis, il en faut de toutes les tailles aussi. Ouais. Parce que tu vas pas mettre un gros serre-joint comme ça pour faire un petit collage comme ça, et puis tu vas pas mettre un petit serre-joint pour faire un gros collage, donc il t'en faut. Parce qu'on en a d'autres là-bas au fond, ouais. Les plus petits là-bas. Qu'on vous montrera après pour continuer la panoplie, mais ouais, on en a jamais assez quand on fait du collage. Ouais, et c'est vrai que souvent, pareil, on se rend compte, des fois on a des bichons bricoleurs qui nous disent « Oh là là, tous ces serre-joints que vous avez !» Bah oui, c'est vrai que je comprends. Mais par exemple, si demain on vous emmenait chez un menuisier béniste ou un menuisier charpentier, des serre-joints comme ça, il en a fois 5. Hein. Mon pote, il a un truc de serre-joint, il doit faire, sans déconner, 10 mètres de long. Hein. Bah oui, parce que dès que tu bosses, dès que tu fais du volume, il t'en faut. Donc, tout ça pour dire, il en faut. Dessous, on a... La Rabot d'Ego Felder, aussi, qu'on adore en triphasé. Elle prend 410 mm de large. Là aussi, si t'es bricoleur, t'as pas besoin de ça. Il y a plein de petits modèles. Moi, d'ailleurs, ça fait 2 ans et demi, 3 ans hein, qu'on a ça. Ouais. Et avant, on avait la petite DeWalt. Ouais. Souvent, on nous demande... elle va bien pour faire du petit truc. Voilà, c'est-à-dire que si toi tu fais de la petite ébénisterie, ça va bien. Ouais, faut pas avoir besoin d'y passer trop chiant. Mais ça sur le chantier, c'est nickel. Ouais, mais par contre, ça fait le job. Ouais. Et je trouve que pour commencer, ça va bien. C'est plus c'est des machines aussi destinées au chantier. Oui. Quand tu veux faire en place tes pièces. Mais toi, t'en avais testé une aussi de la raboteuse de Walt, elle était bien. Hein. Ouais. Ouais. Ah, nickel. J'ai arrêté à tester là. Hein. Il y a 2-3 trucs. Il y a Dan qui demande ce que t'as utilisé comme peinture de sol pour l'atelier. J'ai utilisé une peinture chez Segur Store, Amercoat, ça s'appelle. Amercoat. C'est des peintures qui résistent à tout, à l'essence, au machin. C'est des peintures de garage. Amercoat.
Donc voilà, tu vas sur Segurestore. Dans les descriptions, on a des liens, des codes promo. D'ailleurs, si tu veux, j'ai rien à vendre, mais si ça t'intéresse. On a un code promo et chez Segurestore, Amercote. Je sais plus qui c'est qui fait ça. Je sais pas si c'est Guitet ou je suis pas sûr. Je veux pas dire de conneries, hein, mais c'est ça, c'est Amercote. Et il y a Dick David qui t'a fait un don de 48 francs suisses et qui dit Eric, c'est le meilleur. Eh ben, merci les Suisses. Merci les Suisses. Donc, et merci, vraiment, ça nous touche beaucoup. Ça payera l'apéro pour ce soir pour Martin. Parce que pour l'apéro de Martin, t'as intérêt de parler en franc suisse, hein, parce que chut, il y va. Hein, voilà, mais après le boulot. Donc, machine absolument géniale et indispensable dans un truc de menuiserie. Triphasé. En triphasé. Toujours branché sur l'aspiration centralisée, pas de ça chez nous, oh obligé. Bah là, parce qu'avec une machine comme ça, quand on a fait les plans de travail, on s'en est servi, on a rempli 6 sacs en 3 jours. Hein. Donc, et la taille des sacs. Voilà, donc deux fonctions, dégauchir. Ouais. Donc dégauchir, c'est quand ta planche elle est un petit peu gauche, tu sais, quand tu la mets sur ta table et puis t'appuies, tu sais, elle tuile un peu. Donc là, on va venir dégauchir, soit à 90 degrés, soit sinon bah, cette joue peut s'incliner. Avec toutes les sécurités. Deuxième fonction, bah tiens, regarde. Parce qu'on a installé un petit accessoire. Parce que chez nous, vous avez l'impression que c'est grand, mais c'est tout petit. Et dès qu'on fait des grosses pièces de bois, eh les bichons, on vous prépare un truc pour les débuts de la saison 3. Là, la charpente. Voilà, donc on a installé par exemple ça, qui nous permet de tirer un petit peu la machine pour la mettre où on veut. Et après, bah, quand on a fini, on y fout ailleurs. Donc, première opération dégauchissage. Elle a même celle-là une prise asservie, qu'on adore, mais qu'on ne se sert pas. Voilà. Parce que vu que c'est une machine que tu peux faire tourner en industriel, en intense, eh bien, dessus, tu peux monter un entraîneur. Et donc, comme ça, si toute la journée, tu dois dégauchir, eh bien, tu montes un entraîneur et l'entraîneur te prend ta pièce et se démerde. Donc, c'est une grosse machine en triphasé qui doit faire au moins 4 chevaux. Là, tu prends 4 mm de passe d'un coup, ça y avale tout. La table est réglable, deux doubles tables en fonte, 2 mètres de long. On en est super content avec toutes les protections, bien sûr. Il y a Emery qui demande ce que tu fais des copeaux. Alors, les copeaux, on en met un peu à la benne parce qu'on en a trop. On en met un peu dans le jardin ou dans le compost et on en donne beaucoup à mon papa parce que mon papa, il a des animaux et notamment des oiseaux. Et donc, pour faire les nids des oiseaux, les litières, quand c'est du bon copeau, hein, bon, je ne vais pas lui donner un sac de poussière mélaminée, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais quand on fait que du copeau de chêne ou du mélèze ou des trucs, ça fait du super copeau, ça sent bon. Et pour les animaux, tout, c'est parfait. Voilà, et puis après, sinon, quand on en fait un sac de temps en temps, je le donne, voilà, mais ou on le met dans le jardin. Mais après, des fois, on en fait vraiment, quand on fait des grosses sessions, on a des quantités énormes, donc on les jette. Hein, parce que... Ah ouais. Voilà, après, sinon, si on avait un atelier plus gros, on a des copains menuisiers qui ont des poêles, on appelle ça des brûle-tout. Donc c'est vraiment des poêles, bah, comme Olivier Verdier. Voilà, il en a un. Alors là, tu peux y balancer des sacs de copeaux dedans, bah, ça brûle tout, quoi, voilà. Donc nous, si on met des copeaux là-dedans, ça va partir en couille direct, c'est pas fait pour. Donc ça, c'était la première fonction, dégo. Deuxième première fonction, étape. Première étape, une fois qu'on a dégauchi. Donc la phase de dégo, elle te sert à te mettre les faces planes et te faire et perpendiculaires. Une fois que c'est dégauchi, on rabote. Et là, la particularité de cette machine qu'on adore, c'est ça, l'arbre hélicoïdal. Donc les trois quarts des raboteuses, avant en fait, elles avaient un gros fer au milieu. Et ça, c'est les nouvelles, enfin les nouvelles, ça fait déjà peut-être 10 ans que ça existe, hein. Mais ça, c'est les nouveaux arbres hélicoïdales. Donc t'imagines bien que là, tu passes ta main là-dessus, tes doigts, ils font... Mais voilà. n'importe quel. Hein. Là, le gros avantage sur les Felder, c'est qu'il y a plein de sécurité. Si tu travailles prudemment, ça craint rien. Donc là, il y a un arbre hélicoïdal. Et donc, cet arbre qui sert aussi bien pour la fonction rabot que dégo, a deux particularités. Première particularité, c'est beaucoup plus silencieux qu'un arbre classique. Et ça, c'est bien parce qu'une rabot dégo, ça te défonce toujours les oreilles. Et ça, c'est chiant. Donc là, c'est parfait. Deuxième particularité, au lieu d'avoir des grands fers qui sont chiants à régler, qui font emmener à affûter et tout, ce sont des plaquettes.
Donc là, je sais pas si Martin voit bien, si vous voyez bien. Mais là, en gros, là, il y a des plaquettes. À quatre faces. À quatre faces. Donc en fait, quand c'est plus affûté, que ça coupe plus, on dévisse un petit peu et on tourne les faces. D'accord. Comme ça, d'un quart de tour, et ça repart comme en 40. L'autre avantage... Bah si par exemple, tu as une lame que tu viens abîmer parce que tu n'as pas vu, il y a une pointe, un caillou, pointe, ou je sais pas quoi, bon, bah là, tu as juste un endroit que ça sera abîmé, donc tu pourras tourner, tandis que bah, la lame complète, bah, il faudra que tu rafles voilà. Ou tu la changes. Tu l'as dans l'os. Alors, là, non, mais ça, c'est le top. Ça, vraiment, si un jour j'en change, ce qui m'étonne, je reprendrai un arbre hélicoïdal. Donc là, bien sûr, là comme ça, on ne peut pas la mettre en route, il y a toutes les sécurités. Pour basculer. Ouais. Pour la mettre en route en dégo, je ne vais pas vous rebrancher l'aspiration, mais on tourne ça et on va venir passer les planches ici. Donc on règle la hauteur, elle aussi c'est une commande numérique, enfin pas numérique, électrique. Donc c'est pareil, elle a une montée au dixième près et là on voit que la table elle monte. Et donc on a une montée, et là ça fait un travail formidable, comme je te dis, c'est du triphasé avec un moteur qui fait je sais pas combien de chevaux, tu prends 3-4 mm de bois d'un coup sans problème, elle a deux vitesses d'avancement, elle est précise, tout, dedans il y a des rouleaux entraîneurs, donc c'est-à-dire que dès qu'on va approcher la planche, crac, ça va l'avaler, et ça va la faire avancer toute seule. Mais vous y avez déjà vu sur toutes mes vidéos, on s'en sert comme la grosse scie, on s'en sert tout le temps, dès qu'on fait du bois, on s'en sert. Pour un bricoleur, ce n'est pas indispensable. Si vous voulez vous faire plaisir, un petit combiné, il y a une machine comme ça dessus. Combiné Hammer. Ouais, un petit combiné Hammer, là, c'est un pec. Et ou alors sinon, bah, après, ils en font. Metabo en fait des petites. Ouais, après, oui. Il faudra peut-être qu'on en teste une à Bichon TV. Ouais, de... semi-stationnaire. Oui, ouais, ouais, moi, Rabot d'Ego ouais. Metabo. Ouais. Pour les bichons ou une DeWalt ou... On s'en fout, ouais. Ouais. Peu importe. Donc voilà. Et c'est une machine qu'on adore, qui va vraiment bien. On peut même installer une table de mortaisage dessus. On peut... Enfin, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très, 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 très bien. On va remettre ça là. Seb, tu... Bon, ça c'est des fringues, des machins, on s'en fout. Des gabarits divers. Seb, si tu veux, tu présentes ça. Pendant que tu présentes ça, moi, je remets la machine là. Tiens, regarde, on pousse un peu le truc. Notre établi, il est là-bas, non? Et dessus, si vous voyez le spile, bande de foufous, on a été chercher des vitres chez notre artisan vitrier, chez qui on avait fait une vidéo, Alain Montard, qu'on salue. Ça va être les vitres des verrières de la cuisine, qu'on va faire les pochoirs et sabler et tout, on vous fera tout voir. Seb, je remets la machine et pendant ce temps, tu présentes tout ça là. Allez. Alors là, on a une perceuse à colonne Sidamo. Alors, c'est une petite perceuse à colonne, enfin, petite perceuse à colonne, tout est relatif. Elle fait celle-là 550 watts. Donc, on s'en sert essentiellement pour le bois. Par exemple, pour les têtes de lit, on s'est servi de cette machine-là. Pareil, tu peux régler ta vitesse. Il y a une petite lumière sur le côté. Voilà. Quoi dire d'autre? Bon. Je veux dire. C'est une bonne perceuse à colonne pour démarrer. Hein. Voilà, mandrin qui va jusqu'à 16. Mais ouais, Laurent, essentiellement, toi, que pour le bois. Moi, celle-là, je m'en sers que pour le bois parce que pour l'acier, je me sers de la fraiseuse qu'on va vous montrer après. Voilà. Donc, moi, ça, par contre, je trouve pour les bricoleurs, c'est une bonne perceuse à colonne pour démarrer. Pareil, il faudrait que j'en teste une. Ouais, c'est vrai, on n'en a pas testé, il faudra qu'on en teste une. Une perceuse à colonne, ça fait partie des choses que quand on en a pas, on se dit, bon, à quoi ça sert. Et puis quand on en a une, on se dit, oh putain, comment je faisais avant, quoi. Ah, pour la précision, c'est quand même mieux. C'est vraiment bien. On présente la petite scie anglaise et puis après on passe en dessous, non? Ouais, comme tu veux. C'est ouais, tiens, regarde, j'enlève la servante comme ça. Parce que on monte tout sur roulette. Il y a Virginie qui demande comment s'appelle le timon de déplacement de la Felder là. Ça s'appelle un timon de déplacement. Vraiment, je sais pas comment. Je crois que c'est un timon de déplacement. C'est un accessoire Felder. Je les ai contactés. Je leur ai dit, est-ce que vous avez une solution pour déplacer vos machines? Ils m'ont dit, mais bien sûr, monsieur. Ils m'ont donné la référence et voilà. Donc, c'est un timon. Par contre, il faut bien... C'est pas standard. Hein. Ils ont une pièce d'adaptation par machine. Donc, il faut les contacter. Il faut bien leur demander... Faut bien leur donner les références de votre machine, mais c'est vraiment bien. Hein. Et si je veux, j'aurais pu en adapter un sur la grosse aussi. Bon, après, on est bien d'accord, c'est des machines, moins tu les déplaces, mieux ça se porte. Hein. Mais nous, ça nous arrange bien. Alors là, on a une scie anglaise, la Metabo KGSV, la SIM. Donc celle-là, elle a, tu vois, la particularité, c'est de pouvoir régler ses angles. Ouais. Des deux côtés.
des deux côtés et... En même temps, va voir voilà. Ça, va voir ça, Martin, cadreur. Oh. Si c'est anglais, ça c'est parfait pour les revêtements de sol. Tu vois, tu fais du parquet, des plinthes pour couper, tu prends ta fausse équerre, tu viens prendre ta cote sur ton mur, enfin ce que tu as à faire, et hop, tu viens reporter. Alors soit bah, tu as les angles prédéfinis, hein, 22,5, 45, etc. Soit bah, tu peux directement faire un angle, on va dire, qui est pas de 22,5, 15 degrés, etc. Tu mets ta fausse équerre et bah, tu peux te mettre directement, et moi tu es sûr d'être bon. Et ça c'est pareil, c'est pas fait pour faire des gros, enfin de l'épaisseur, je dirais. Voilà, nous on l'adore. Nous on l'adore, ça reste encore une petite machine. Mais voilà, après, voilà, tout est relatif. Par exemple, on parle par exemple par rapport à la CAPEX. Nous en fait, notre référence c'est vraiment la Festool CAPEX qui fait trois fois le prix de ça. Voilà, mais, bon, mais franchement, on n'a jamais rien trouvé de mieux que la CAPEX. Ouais, c'est. Oui, non, mais ça sert à rien pour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, elle est ultra bien, on en est super content. Mais elle a deux, trois petits points. Ou c'est pas fait pour passer de la grosse section. Voilà, c'est un disque multicut, donc pour faire de l'alu, faire toutes les pièces de bois. Mais elle est géniale en précision tout. Donc pour la précision, bon, on s'en est servi encore il n'y a pas longtemps. Ouais. Table, tu peux rallonger la table rapidement, ça j'aime bien parce que c'est pas toutes les machines. Mmh. Et puis un petit serre-joint, pareil, rapide. Un petit système presseur. Ouais, voilà, ça c'est pareil, j'aime bien, ils l'ont pas toutes. Au moins, bah, c'est vrai que des fois, je trouve que c'est un peu chiant, mais c'est quand même la sécurité, bon, je trouve que c'est important. Et tu vois, en deux secondes, t'appuies là, hop, et hop, il vient faire descendre ta pièce. Ah ouais, mais là, parce qu'il est redescendu le machin. Enfin bref. Ouais. Voilà. Il vient faire descendre directement et tu peux finir de visser. Ça, tu viens de téléphoner. Non, mais en étant honnête, celle-là, on en est bien content. Faudrait qu'on en teste d'autres, mais là, cette fonction symétrique, tout, c'est assez innovant. Là, et elle reste aussi en anglais, ça veut dire que je peux, oui. Je peux la tourner, l'incliner, etc. Ça reste. Et là, pour le coup, le laser est précis. Oui, ah bah oui, c'est quand même autre voilà, chose. On est déjà beaucoup plus haut de gamme que la première petite qu'on vous a présentée. Donc voilà. Après, bon, derrière, on a des rails ILTI. Bon, c'est du rail ILTI. Voilà. On en est très content aussi. Est-ce qu'on se ferait, peut-être ça, mais rapide hein. Rapide, ouais, parce que sinon on va y passer. Rapide. Donc là-dessous, nous, on a un peu d'électro. Bah, celle-ci, je voulais présenter, la Metabo, la BS18. Si je fais une pause café, si ça t'intéresse, je l'adore. Équilibre, etc. Boulonneuse à choc, pareil, avec le réglage de vitesse. Celle-ci, la visseuse, une petite visseuse. Visseuse impact, merci. Pour faire de la terrasse. Voilà, donc tu vois, il y a une gamme large. La Metabo, une petite meuleuse d'angle, ça, bon, pareil, je l'adore. Il y a aussi sa concurrente qu'on adore aussi, la petite Bosch. Voilà, je fais rapide, hein. Ouais. De toute façon, on a les trois quarts des outils qu'on vous présente. Celle-ci, j'ai présenté, voilà. Ouais, on les a tous présentés ou on va les présenter. La petite Metabo, pareil, en 12 volts. Pareil, j'ai fait une pause café, si tu veux aller voir. Et celle-ci. La Milwaukee, je ne l'ai pas testée, celle-ci. J'ai testé l'autre. Parce que celle-ci, tu peux mettre une poignée et elle a un couple supérieur à 60 newtons. Donc là, tu as intérêt, quand tu veux faire des forts vissages, de mettre la poignée qui est vendue avec. Donc celle-ci, voilà, avec les mandrins interchangeables. Ça, c'est cool. Ça c'est top, ça c'est voilà, c'est pratique pour. Ouais, ça va bien. Ça c'est vraiment de la visseuse généraliste. Oui, quoi. Oui, voilà. La petite visseuse généraliste à tout faire, qui sont pas spécialisées dans un truc plus que d'autres, mais qui sont très bien, efficaces. Bah de toute façon, nous si on les a sortis des boîtes et qu'on les a mis là, c'est qu'en ce moment on est en train de les tester et on s'en sert tous les jours. Un Projo ILTI. Ouais, alors là t'as pas fait nous l'allumer dans la tronche parce que celui-là il watt. Donc voilà, pareil, tu peux le mettre sur un trépied. C'est Lettre Boinard qui nous a remis 11 balles. Merci, Macaï. Voilà, une petite light, pareil qu'on teste. Après, celle-ci. Attends, Seb. Avant, je voudrais dire, parce que j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire quand j'ai été derrière. Je crois que c'était un Martin qui nous posait une question. Qu'est-ce qu'on changerait ou qu'est-ce qu'on ferait différemment? Bon, ça, on le dira à la fin. Et la Sidamo, le modèle, c'est PE22A, ouais, monophasé. Ouais, 220. 220 volts, Sidamo PE22A. Martin, avant qu'on continue avec ce qu'il y a dessous là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'est bon. Bon, bah tu nous dis, t'hésites pas à nous couper ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui ont répondu au fur et à mesure, mais... Ok, donc ensuite... Bah la fraiseuse, pareil, ça je vous ai fait une pause café, elle n'est pas sortie. La fraiseuse ILTI, c'est pour les cloisons. ILTI, là, par contre, c'est pareil. Ouais, on adore, hein. C'est professionnel, enfin voilà. On est dans des gammes pro, là, par contre, c'est pour les pros. Ça sert à quoi, ça? Donc ça, c'est pour, tu sais, pour les plaques de plâtre. On s'en est servi également pour le staff.
tout ce qui est même plaque pharmacelle, tout ça. En fait, c'est une petite défonceuse, qui est beaucoup utilisée aux États-Unis. Ouais, beaucoup plus que nous. Et qui arrive chez nous. Mais ouais. Et en fait, tu plonges en plein panneau. Tu sais, tu dessines, mettons, une boîte, tu plonges en plein panneau et après tu viens... Tu veux faire un carré, tu fais un carré. Tu veux faire un cœur, tu fais un cœur. Tu peux régler la profondeur parce que si derrière t'as un câble ou quoi que ce soit, bon bah si tu vas avec une scie à guichet... Bah après si c'est l'électricien, on en a rien à foutre. Ouais, non, je rigole. T'as les tuyaux machin. Salut Stéphane. Ah, tu peux régler ta profondeur de fraisage, ce qui est bien, parce que au moins t'es sûr que de rien abîmer derrière. C'est super bien. Voilà, avec la poignée au mort, etc. Ouais. Et puis bon, c'est ulti quoi. Ouais, ulti, bah tu... Voilà, c'est... Ulti, c'est... Ulti. Voilà, on trouve du ulti que chez ulti par contre. Et la plateforme du bâtiment. Et la plateforme du bâtiment. Il y a Tim aussi qui demande si pour commencer, sans trop de budget, du Ryobi, du Bosch Vert ou des marques un peu entrée de gamme, est-ce que ça le fait ou pas? Pour commencer quoi? Bah commencer dans le métier quand on veut bricoler, ouais. Ah, non mais bricoler. Attends, pour bricoler. Ah, merde quoi. Oui, ça dépend de plein de choses. Si c'est... Déjà, ça dépend de ton rythme de bricolage. Est-ce que tu bricoles beaucoup? Est-ce que tu bricoles pas beaucoup? Est-ce que... Voilà, maintenant, nous, on a, avec Seb, une grosse déformation. C'est que moi, Seb, Martin, toute l'équipe des Bichons, on est nés dans le bâtiment, on est nés dans l'univers professionnel et on a toujours connu que ça. Et toutes les fois qu'on a voulu, parce qu'on ne vous montre pas tout, mais on a des marques de temps en temps de matériel de bricolage qui nous envoient des trucs, c'est impossible pour nous de présenter ça parce qu'on est déformés. En fait, on a tellement l'habitude de travailler avec du ulti, du festool, que... Même après des gammes généralistes accessibles. Ouais, c'est qu'on y trouve vraiment pas qualitatif, mais on n'est peut-être pas les mieux placés pour ça. C'est pour ça que... On a une visseuse perceuse au machin, pour quelques euros de plus, déjà dans des gammes... C'est pour ça que en entrée de gamme professionnelle, il y a des très bons prix avec lesquels vous ne serez pas déçus. Je pense aux entrées de gamme Makita, aux entrées de gamme Metabo, entrées de gamme... Bosch, la gamme Bosch Bleu 12 volts. En 12 volts, on en est fait. Tu vas y payer un petit peu plus cher, mais t'en seras... Bah, tu vas le garder très très longtemps, quoi, c'est ça. Voilà. Après, bien sûr, ça dépend. Si vous nous regardez, bon, bah, si vous êtes un bricoleur intensif et tout, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais si vous nous regardez, vous voulez mettre, pendre une tringle à rideau par an, visser. Ouais, ça sert à rien d'acheter. Ça sert à rien d'acheter une visseuse à 600 balles. Mais, ou même à 300. Une Makita, un machin, je veux dire, c'est. Tu vas sans... Ce que je veux dire, entre les différences d'entrée, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, l'entrée de gamme GSB, etc. et rentrer déjà dans les gammes pro, entrée de gamme pro, il n'y a pas beaucoup de différence. La dernière fois que j'étais au magasin de bricolage, je n'ai pas vu énormément de différence. En termes de prix, franchement, je me dis bon... Par contre, la qualité, c'est... nous on le voit tous les jours. De toute façon, ça fait 5 ans, on n'a jamais changé d'avis en 5 ans, hein. On n'est jamais revenu sur nos positions parce qu'en 5 ans, tu prends une visseuse pro, tu la prends, bah, elle est équilibrée, elle est nickel, tu sais, tu n'as pas un côté qui penche plus que l'autre, tu la fais tomber, bah, ça ne craint rien, tu as un problème, ça se répare, il y a 25 batteries qui sont compatibles toutes entre elles, il y a des accessoires à chier partout, il y a... c'est vrai qu'on en est... On en est... Non mais... Voilà. Mais faut comprendre que c'était Timothy qui demandait ça. Timothy, une visseuse 12 volts Bosch Pro, comme ça. Bon, là, c'est une batterie de 4 ampères, mais on s'en fout, tu peux mettre une batterie normale. Ça doit coûter 120-130 balles. Ouais, je crois. Celle-là, en tant que pro, ça fait 10 ans que je l'ai. Et on s'en sert. Ouais, moi je l'ai aussi également, j'arrête pas tous les jours. Tous les jours. Voilà. Et là, bah, t'es gentil. Ah oui? Gentil. Non mais ce que je veux dire. Non mais c'est vrai. Il y a des fois je vais dire ouais ça c'est plus orienté pro ou machin, mais c'est pour tout le monde si t'as envie de te faire plaisir à ta bécane. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi les visseuses perceuses, il y a tellement peu d'écart ou machin pour avoir un truc qui va durer des années au lieu de, tu sais, de... Et puis pour avoir le plaisir de bricoler, parce que quand t'as des bonnes bécanes, t'as envie de bricoler. Ouais. Regarde mon père, pendant des années, il a détesté le bricolage parce qu'il allait acheter... il revenait, ah j'ai acheté une scie sauteuse à 27 euros, tu sais. Au bout d'une heure, je l'entendais, le truc, elle passait par la fenêtre. Le jour où j'ai commencé à lui faire acheter ou à lui offrir des vrais outils, bah il est content, tu vois, il se lève le matin, tu vois, il a un plaisir. Il prend du plaisir.
Bon, next. L'Aïti. L'Aïti. Bah, l'Aïti, c'est une... Ouais, tu peux la présenter vite fait. Hein. Ouais, c'est qui va avec le rail et puis ça va bien avec l'aspirateur aussi. Ouais. En 18, c'est pas une plongeante. Sur batterie, donc eux, ils sont en 22 volts. Ouais. Pareil, on l'a testé et tout. Franchement, c'est nickel. Ouais, nickel. Donc, avec les rails, que je disais que les rails, c'est compatible avec les autres. Ça, tu mets celle-là sur un rail Festool, ça marche. Ça fonctionne. Mmh. Bosch aussi. Et puis bon, etc. tu sens que. Ouais, ouais, non, mais là, tu sens que tu fais tomber 20 fois. Je suis. Voilà, c'est. Moi, par exemple, on en reparlera, mais il y a du Makita où c'est des tanks. Ouais. Il y a des Makita où. Bon, ouais. on est Makita, d'entrée de gamme professionnelle sur ouais. les trucs. Mais quand je vois les plastiques, l'assemblage et tout, bon, bah voilà, il n'y a pas besoin d'être expert déjà pour voir la différence. Ouais. Tu sens que. Mais là, voilà, c'est l'usage intensif, on est chez les pros. Je veux dire, voilà, ça pour moi, le bricoleur lambda, il a aucun intérêt à se prendre ça. Non. Voilà. Non. Mais voilà, usage intensif, sur le chantier, on sait que voilà, c'est. Voilà, ouais, là, un agenceur et tout, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Mm. Voilà. On passe sur la station de soudage, on va y passer très vite. Parce que là aussi, on est dans le super spécifique. On a deux appareils. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu la chance d'avoir été invité il y a quelques années. On avait fait une vidéo. Chez GIS, donc GIS qui est un fabricant de matériel de soudure français, et ces postes qu'on a là, on les a vus fabriquer. Donc, ils fabriquent 80 et quelques pourcents de leur production en France, et après, ils en externalisent une petite partie. Mais ceux-là, c'est sûr qu'on les a vus fabriquer. Donc, super qualité, ça fait de l'emploi, tout. Ça, c'est pas du tout, mais du tout, un truc de bricoleur. C'est-à-dire que même pour nous, on s'en sert beaucoup, même pour nous, c'est un peu overkill. C'est un peu overkill. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment pour les métalliers de métier, ouais, le mec qui... Bon, ouais, ouais. Voilà. Donc là, on a un SMI automatique, donc un MIG en triphasé. Avec ça, tu soudes des godets de tracteur. Hein. C'est, tu peux arracher, souder 8 heures par jour et tout. Et au-dessus, on a un TIG. Donc le TIG, l'avantage, c'est que le modèle qu'on a, c'est un ACDC. Vous l'avez vu aussi sur nos vidéos. ACDC, donc on peut souder quasiment tout, alu, inox, quasiment tout, très précis. Le TIG, c'est plus proche du fonctionnement du chalumeau. Hein, tu connais bien toi aussi ça, Martin? Ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Le TIG, tu peux souder dans ta cuisine. Voilà, ça ne fait pas de projection, ça fait. Pour métal d'apport. Ouais, c'est vraiment très propre et tout. Alors que le SMI, c'est un peu un là, truc. Là, ça. Là, si tu soudes dans ta cuisine, tu dors dehors cette nuit. Quoi. Le TIG, voilà. C'est surtout fait pour la soudure étanche à la base. Oui, voilà, et le TIG, ça fait de la soudure étanche. Merci. Donc, c'est deux appareils qui fonctionnent avec un apport de gaz. Derrière, vous ne le voyez pas, mais on ne va peut-être pas tout vous tirer, mais derrière, on a des bouteilles de gaz argon et argon CO2. C'est gaz inerte. Voilà, du gaz inerte. Ça sert à. C'est rien, ça arrive. C'est les joies du direct. Et comme vous pouvez voir, le SMI automatique est en triphasé. Donc voilà, ça c'est vraiment des postes d'atelier. Sauf si vous êtes. On va peut-être arrêter la clim, non? Ça commence à cailler là. Sauf si vous êtes. Métallier, carrossier, machin. Alors vous n'avez pas besoin d'un truc si gros que ça, quoi. Ah, on vous en présentera, mais je vais m'en occuper. On va présenter le. Ouais, mais je vais m'en occuper. Après, voilà, pour moi, pour commencer dans la soudure, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent commencer dans la soudure, on a présenté on va vous le montrer, le GISMI 160P. Ça, pour commencer, c'est vraiment accessible. Et vrai pas cher. Soudure à l'arc, déjà, avant de faire le tour de la soudure à l'arc. Et puis, tu vois, on l'a toujours, on l'utilise tout le temps. Ouais. C'est nomade, je veux dire, tu l'emmènes pas. Ça, tu peux pas dire, t'as une soudure à faire dans le jardin, t'as que ça, tu pleures du sang, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, c'est impossible. Ça, c'est pas fait pour le. C'est pas fait pour. Mais ça, c'est en termes de qualité, on en est archi refait, archi content. Donc ouais. Voilà, là, après, on a deux petites servantes à rouleaux. T'avais un truc. Non, j'ai cru que. Non, il y avait une mouche sur le micro. On a deux petites servantes à rouleaux. On a les tréteaux de chez les collègues Hard Corner. On en est bien content. On peut peut-être présenter ça. Je te laisse faire, comme ça, ouais. Je vais aller voir couper un peu la clim. Ouais, coupe un peu la clim. Parce que la clim, c'est un confort extraordinaire quand on bricole. On a la chance. Enfin, on aide la chance. Et on remercie Romain pour cette superbe installation, mais là, elle est un peu forte. Alors, bah là, c'est toutes les meuleuses qu'on se sert plus souvent. La Bosch avec son système de changement de disque, le X-Lock, voilà, tu vois. Ça, c'est carrément, moi, c'est pareil, dès que j'ai vu celle-là, je l'ai acheté direct. Après, ah ouais, non, c'est clair. Donc, hop, c'est... Bon, bref, je vais remettre après. C'est les joies du direct. Et puis je suis un peu stressé, je dois dire.
ça va me détendre. Les métabos, voilà, métabos, alors celle-ci c'était la spéciale inox. Voilà, spéciale inox, donc elle tourne à une certaine vitesse. Et puis ce que j'aime bien, tu vois, c'est que t'es pas emmerdé. Ouais. Tu peux tourner ça. Métabo, on en est trop content. J'ai vu fait, ça, hein. Franchement, j'ai vu ça sur nulle part encore chez les autres. Métabo qui sont à la base, qui sont devenus des généralistes, mais qui à la base sont des spécialistes du métal, ouais. Quand même, il faut le savoir. Et c'est là que vient le nom. Métabo, c'est la contraction de Metal Border, un truc comme ça. Voilà, et vous pourrez aller voir l'instant pro qu'on a fait sur Bichon TV, spécial Métabo avec Christophe qu'on salue. Et qui nous a expliqué tout ça, voilà. Donc on se couche tous moins bêtes. Bah c'est vrai que moi, enfin pour rebondir, Métabo au départ, tout départ, il y a déjà un moment, je pensais que c'était vraiment une gamme. Parce que tu retrouves ça. Oui, au début Métabo, même moi, je me disais c'est un truc de bricolo. Et après quand on se rend compte, on se dit non, mais pas du tout en fait. Et pareil, on a été visiter les usines. Ils ont des brevets depuis des années. Enfin bon, des trucs, c'est extraordinaire. Une autre, me le spécifique. Alors à quoi ça sert les bichons? Bah c'est pour aller dans les espaces restreints. Voilà, une tête. Il y en existe encore une plus longue. Ouais. Voilà, disque à lamelles. Bon, quand tu fais une soudure à 45 degrés, bah tu vois, tu peux aller meuler. Parce qu'avec une meuleuse normale, je dirais traditionnelle, tu peux pas le faire. Voilà, pareil, ça tourne dans tous les sens. Etc, etc. Bon, bah là-haut, pareil. Bah après, là-haut, c'est une petite visseuse normale, une petite meuleuse normale. Ça, par contre, t'as même pas besoin de la descendre. Ça, par contre, les meuleuses, meuleuses sur batterie, moi, je retournerai pas au filet. Ah bah non. Moi j'ai des très bonnes à fil Bosch. Ouais. Elles sont géniales. Et c'est incroyable. Mais elles sont à fil. Ouais. Donc ça me saoule. J'ai plus envie de. Ah non, mais ça c'est trop bien. Tu as goûté au sans fil. Donc là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 4 ou 5. Hein. Nous on en a parce qu'on en teste. Parce que des fois on a, comme on vous disait, une marque qui nous dit bah tiens, je t'envoie ça, essaye. Non, mais 2 c'est quand même bien pratique. Ah non, mais 2 c'est. Ah bah tu cites un. Une à tronçonner. Mais nous on se sert plus du tout de la disqueuse pour couper de l'acier. On fait de la coupe à froid maintenant. Ouais. Pardon. Non, mais c'est vrai, parce qu'au début il me dit je coupais. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Attends, on a tout ce qu'il faut couper. Donc, avec des 8 mètres d'étincelle au cul, ça me saoule. Donc là on a, pour aller un peu rapide, bon là-haut ça c'est des caisses de petits accessoires, machin. Là on a une lime à bande. Qu'on adore, une lime électrique. Makita, pareil, on s'en sert pas tous les jours, mais quand on en a besoin, ça, on l'adore. Costaud. Alors ça, c'est costaud. Ça fait partie des gammes. Dans 10 ans, j'y ai encore. Donc tu vois que c'est tout modulable dans tous les sens. Tu peux changer la largeur de la bande. C'est pas très très cher et c'est très costaud. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Et donc ça, bah, c'est un pet, tu sais, pour faire une petite retouche sur de l'acier, sur du bois, une petite serrure, un machin, on adore. Voilà. La meuleuse droite. Meule carotte, s'il tiens. Te plaît. Meule carotte. Meule carotte. Ouais. D'accord. J'ai de la tuyauterie, on s'en servait. Alors ça, c'est un peu particulier à s'en servir. C'est un peu dangereux. Hein. Ben, faut savoir s'en servir parce que sinon ça saute. Mais les tuyauteurs, moi, les tuyauteurs s'en servaient beaucoup. Mais ça, bon, à dire pour le particulier lambda, ça sert. Faut pas acheter ça. Quoi. Voilà. Ça, c'est très spécifique. Quand je dis faut pas acheter ça, si t'es métallier ou. Non, mais je veux dire, mais là, parce que tu t'adresses aux particuliers, aux bricoleurs, machin, mais. Voilà, ça c'est plus pour les métalliers quoi. Ah mais t'as aussi les, tu peux mettre les fraises diamantées dessus. Mais tu peux changer. Oui. Mais c'est... Enfin, pour faire du carrelage. Bah pour couper au diamant, moi j'utilisais ça. Toi tu utilisais ça pour couper au diamant. Ouais, il y a des gabarits spéciaux non? Il me semble. Ah ouais, non mais je crois, j'aimerais bien y voir. là après on a de la quincaille balour, la super quincaille, mais tu vois là c'est là qu'on range nos charnières invisibles, nos aimants, nos machins. Sauteuse sur batterie. C'est là que je voulais présenter celle-ci. Ouais, quand on vous dit, on vous les a présenté, allez pause voir café, sur pause café. Bichon TV YouTube. Ouais. C'est... Oui, il faut le préciser. Ouais. Avec... On a une deuxième chaîne, Bichon TV YouTube, où dessus il y a tout un tas de tests. Avec le Métabo Quick. Ouais, à chaque fois on se fait niquer. Donc là, super bien. Donc voilà. Super bien, elle est pas dans mon sens. Super bien. Là on a. Ça, faut que je te laisse y présenter, Seb, c'est ton truc. Laisse, je vais faire ça. Tiens. Je suis ton assistant, Seb. Merci, mon cher. Voilà. Ah, ça, c'est pour couper le métal. Donc, il y en a deux. Donc, coupe à froid. Sur ce modèle, non, il n'y avait pas de rail de guidage. Non, ça, mais ça. Je crois qu'il doit y avoir des trucs compatibles. Et j'ai eu des bichons qui m'ont demandé, oui, mais au lieu d'acheter deux machines pour couper le bois, etc., surtout pas. Ça, c'est vraiment, il y a une vitesse spécifique pour couper le métal. Pour couper les tôles, faut pas. Voilà. Ouais, donc, ça, c'est une scie circulaire métal. Sur batterie. Coupe à froid. Avantage,
C'est très précis, ça va très vite, c'est très robuste, c'est très costaud, ça fait pas d'étincelles. Inconvénient, ça fait un bruit d'enfer, ouais. Mais comme une disqueuse, quoi, à la limite, tu mets un casque. Et surtout, on vous le dira jamais assez, à chaque fois, on a des bichons qui nous disent « Oui, mais tiens, j'ai vu sur ton test de la mêleuse, il y a un bichon qui disait « Oui, ah, mais si, sur une disqueuse, mon... » parce que oui, je dis, ça ressemble à une disqueuse, mais non. C'est complètement... Ça, c'est... Vous faites comme vous voulez, mais nous, on décline toute responsabilité et on vous dit qu'avec ça, on peut pas couper du bois. Et avec une scie à bois, même si elle a la même gueule, vous pourrez pas couper de l'acier, même en mettant un truc comme ça. Ce sera dangereux, c'est pas fait pour. Ouais, ouais, oula. Voilà. Sauf qu'il peut. Pas de ça chez nous, hein. Et ça permet de couper de la tôle sans qu'elle dilate. Parce que souvent, quand tu la coupes avec une meuleuse, les fines, tu sais, ça part. Ouais, mais nous, on en a eu coupé avec ça des trucs d'un centimètre d'épais. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, non, mais c'est, attention, ça envoie sa race. C'est... Ah, puis, ah, voilà, puis tu fais pas des. Tests c'est une fraise scie, non, ils appellent ça. De quoi? C'est une fraise scie, non? Non, c'est une scie circulaire métal. D'accord. Mmh. Ah, il existe des fraises scie, mais c'est pas la même chose. Ok. Si circulaire métal, on en est archi content. Ouais. Chaque fois qu'on la sort, c'est nickel. Archi content. Satineuse. Ah, ça fait partie des tanks. T'achètes ça chez Makita, dans 25 ans, tu l'as encore. Ça, c'est un tank. Voilà. Donc ça, c'est une brosse à satiner. Ça a plusieurs utilités. Donc tu peux faire briller de l'acier, du machin, etc. Mais ça a surtout une propriété, il s'en sert beaucoup en Savoie, s'il y a des Savoyards dans le chat, des menuisiers pour brosser le bois. Vous savez, des fois, on a du bois brossé avec les veines qui ressortent, etc. Eh bien, ça sert à ça. Mais ça fait partie des gammes. Autant de temps en temps, on vous dit, il y a des produits chez Makita, entrée de gamme, faut y aller coolos, parce que autant ça fait partie des gammes. Ou bah là, c'est déjà tu l'as dans les mains, je te garantis que... Bah, ça fait le poids d'un sac de ciment. Tu es équipé pour mettre du fil festool. Ouais, parce que j'aime bien les systèmes plug là. T'as un câble pour tout. Par contre, ça c'est pareil, c'est super spécifique. Hein. Ça c'est destiné. Le bricolo, c'est pas. Ça, je veux dire, ça fait pas partie des premiers outils qu'il faut acheter. Carrément pas. Moi je m'en suis jamais servi en tout cas. Moi je m'en suis servi beaucoup. Mais c'est très spécifique. Par contre, c'est pareil, faut y mener. À la fin de la journée, t'as un peu les bras. Ouais, c'est increvable. Hein. C'est increvable. Là, on a tous les chargeurs et tout. Ouais, tous les chargeurs qu'on peut pas mettre là-bas, on les a mis ici. On a le chargeur de Makita, du Hilti en 22, 36, là en 12 volts, Milwaukee, etc. Le Spit. Oui, le Spit. Ah oui, il est plus petit et noir, ouais. Vous voyez plus. Perceuse, fraiseuse, taraudeuse. Donc là, c'est du triphasé. Triphasé. Alors pareil, hyper spécifique, mais bon voilà, t'as une précision. Moi je me suis toujours en tête pour faire les trous houblons, etc. Ouais. Ça c'est génial. Ouais. Ouais, voilà, t'as le graissage, la light, etc., etc. Donc lubrification, elle a une fonction dans laquelle on ne s'en sert que pour le métal. Tu peux régler toute ta vitesse, il y a un petit tableau en plus. Voilà, ouais, tu peux tout régler, elle a une fonction de taraudage qui fait que quand tu règles la profondeur, en fait, tu descends et dès qu'elle arrive à la butée, elle s'arrête, elle change de sens et elle remonte toute seule. Enfin, Sidamo 30 FTV. Ouais, Sidamo 30 FTV, bah, c'est marqué là. Martin, il filmera ou sur le côté. Ça pèse combien, ça? Oh, ça, là, on en a chié, vraiment, on en a chié pour l'installer. Je sais pas, ça doit faire 600 kilos, quoi. 500 kilos et quelques, on en a chié, quoi. Par contre, chariot double zac, mais des machines comme ça, il y a besoin qu'elles soient lourdes. Ouais, parce que quand tu veux de la précision, c'est lourd. Et ça, si il y a un tourneur fraiseur qui nous regarde, ça c'est une petite machine pour lui. Hein, parce que les vrais. Ça c'est comme le tour à métaux qu'on va vous présenter après. Ça reste des petites machines. Hein, peut-être que ça vous impressionne, mais dans le monde pro, ça c'est une petite machine pour un petit mécanique général ou alors un petit gars qui fait de la motoculture. Tu sais qu'il va avoir des pièces à retoucher ou un Fab Lab, mais c'est pas du tout on fait déjà un travail formidable avec ça, mais je veux dire, un vrai tourneur fraiseur, il va avoir une machine de 2 tonnes qui n'a rien à voir. Hein. Ouais, déjà, t'as des sacrées capacités. Déjà, ah, mais là, on en est déjà très 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 content. Après, Martin, viens te mettre à ma place, parce que là, sinon, on n'aura plus de... Tu vois, là, t'as la lumière. Donc là, on a la gamme pneumatique Metabo. Un petit cloueur, pistolet à colle, une agrafeuse pneumatique. Alors l'avantage, c'est que toi, c'est carrément ultra ultra léger et d'une précision, tu peux tout régler, etc. Nous, on adore, surtout quand tu es à l'atelier.
Avec Metabo qui a le petit compresseur sur batterie, pareil, 18 volts. C'est une tuerie atomique. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus léger. Bah, tu vois, par exemple, le cloueur finition, alors ça c'est pareil, on l'adore. Mais tout dépend où on se trouve. Bon, bah voilà, on va pas toujours tirer un tuyau, etc. Avec celle-ci. Alors d'ailleurs, je ferai une pause café sur ce cloueur et peut-être je comparerai au Milwaukee. Ouais. Toi, t'as préféré le Milwaukee. Alors, ouais, bah pour d'autres, enfin déjà pour le bruit, etc. Mais bon, on verra. Écoute, je le remettrai en test. Je le remettrai en compétition. Mais c'est, tu vois, le poids, ça n'a rien à voir. C'est carrément, ah bah ouais. Carrément plus lourd. Mais bon, tout dépend de ce que tu fais, j'ai envie de dire. Mm. Mais pareil, on s'en sert énormément. Ah bah lui, pareil, il a amorti 20 fois. Hein. Bah passe-moi le, si tu veux. Voilà. Ça, donc la graffeuse, petit pistolet à colle, là-bas on a un autre petit pistolet à finette. La lamelleuse DeWalt. Ouais, ça peut être un bon achat pour un bricoleur. Ça, c'est, ouais, carrément. Ouais, pas cher du tout, ça vaut quoi ça? Ça vaut 200 balles. Alors celle-ci, je sais pas, mais celle-ci elle doit être assez abordable. Ouais. J'ai présenté la Makita sur batterie. Donc ah oui, ça, oui, qui est peut-être même encore mieux. Bah l'avant, alors je sais pas si c'est mieux parce que celle-ci je l'ai pas vraiment testée, j'ai testé la Zeta P2. Ah bah ouais, voilà. Mais là c'est un autre... Mais c'est un autre diable. Mais pour commencer, pour faire l'assemblage, voilà, ça c'est carrément abordable et tu peux faire déjà pas mal d'assemblages, pas de bois, etc. Et puis elle est assez qualitative celle-ci. Ah bah celle-là c'est pareil, ça fait 10 ans que je l'ai. Ouais, voilà, bah, j'arrête pas de te voir t'en servir celle-ci. Ouais, celle-là on s'en sert tout le temps. Voilà, pour mettre des petits biscuits. Ouais, pour mettre donc des lamellos, des biscuits, très bien. Le poste souder qu'on vous disait, alors là si vous voulez commencer la soudure... Seb a fait une pause café dessus. Ouais, ça, par contre, c'est ce qu'il vous faut. Ça, bah moi, j'ai pas le juste mis chez moi, mais j'ai un truc équivalent. Ouais. Et je m'en sers tout le temps. Donc ça, tu passes de la baguette de 4, je veux dire, sans problème. Oui, tu passes de la baguette de 4, ultra léger, inverter, donc ça t'aide pour éviter que ça colle, etc. Et bon, bah tu vois, les fils sont assez courts, parce que c'est vraiment, pour moi, bah soit tu l'as, moi je l'ai... En bandoulière. Dans l'atelier ou en bandoulière, mais tu as envie de. Peut-être, tu es sur une derrière ou un machin, tu mets ça à l'échelle, tu as envie de refaire un point, ça c'est carrément top. Je m'en suis servi pour faire les bordures. Ouais. Toutes les bordures pour faire les allées. On a fait le potager pareil. Aussi. Ouais, pour faire le potager, j'aurais pas pu prendre la vache qui est à côté. Quoi. Donc ça, c'est carrément. Et puis c'est abordable, et puis ça, même les pros, ils continuent de s'en servir, nous on s'en sert. Quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment le bon achat à faire. Un bricoleur qui veut démarrer dans la soudure ou machin sans se ruiner, ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc voilà. Après, bon, bah, on a des batteries, la ponceuse. Ah, la petite ponceuse Metabo ou Mirka, quoi. C'est les mêmes. On peut le dire. Voilà, celle-ci, bah, j'ai fait la pause café sur la Mirka en 5.0. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, enfin, c'est pareil, super bonne, mais si vous en avez qu'une à acheter, c'est pas elle qu'il faut acheter. Alors oui, pour la finition, c'est top. Moi, j'aime bien faire mes finitions de plâtre, etc. Mes ratissages avec, parce que je suis près de mon support. Pour la dernière passe, hein, parce que si t'as un plafond à 3 mètres, je vais prendre une ponceuse de girafe ou un machin. Mais même pour le bois, etc. Par contre, si tu dois appuyer comme un dingue, parce que tu dois, je sais pas moi, poncer du gros... Je prendrais pas celle-ci. Non, mais c'est pas fait pour. Ça reste des super ponceuses. Parce que j'ai lu des commentaires, un mec, ah, mais ça a grillé. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait avec? Ouais. Moi, mais je pense... ça fait partie des choses qu'on discute souvent ensemble. C'est difficile des fois aussi à appréhender pour le bricoleur, le fait d'avoir plusieurs machines. En fait, souvent, il y en a qui nous disent, mais pourquoi vous avez 5 visseuses? Pourquoi vous avez 5... ponceuse, pourquoi vous êtes... Elles parce que, en fait, hein. Voilà, elles ont toutes leurs particularités et, enfin, tu vois, c'est pas un truc... Ouais, parce que moi, je vois mon frère qui aime bien être avec moi tout ça, mais il me dit, mais qu'il y a 4 visseuses, qu'il y a 4 perceuses visseuses, t'as machin. Je dis, ouais, mais celle-là, par exemple, la Festool, la petite Festool en 2 la CXS, pour faire de la... Je dis, pour l'agencement. Faire l'agencement, c'est parfait. Par contre, je la prendrai pas pour faire ça ou pour faire ça. Je vais peut-être prendre plus ma 12 volts, je vais à la 18 volts, là. Donc après c'est pour ça que je comprends qu'ils ne comprennent pas. Mais après quand tu commences à rentrer un petit peu dans, c'est comme tous les, je veux dire, c'est comme les pêcheurs avec des cannes à pêche qui ont 25 sortes de bouchons. Moi je vais rien y comprendre, mais cannes à pêche en carbone qui se plient, moi je prends une canne à pêche, une canne à pêche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais par contre j'arrive à comprendre. Ah mais moi aussi. Je comprends. Moi aussi. Voilà, parce que ça c'est une machine. Alors je crois que c'est aux alentours de 400-450. Ça, c'est déjà une machine haut de gamme. C'est une très très bonne machine, mais encore une fois, c'est pas, si vous devez en avoir qu'une, c'est pas ça qu'il faut prendre. Par contre, en finition, en avec les abrasifs, truc, Mirka Abranet, là, on vous montrera. Mais alors là, par contre, en finition,
C'est vraiment fabuleux. Ouais, moi, j'y kiffe, hein. Mais voilà, c'est pas le premier achat de ponceuse non. à faire. Non, hein, mais c'est pas la première ponceuse voilà, que j'ai acheté. J'ai acheté ouais. d'abord les Rotex, etc. Vaut mieux une Rotex. Ouais, Rotex si tu veux. Fais tout le Rotex, ultra polyvalent. En plus, je veux ouais. dire, tu peux lui en mettre plein la ouais. gueule avant, ouais. avant d'y abîmer. Tu peux monter debout, ça tourne encore. Ouais. Voilà, tandis que ça, tu montes. Tu... Puis avec ça, tu peux pas dégrossir. Tandis qu'une fesse sous le Rotex, tu peux dégrossir et faire du fin. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça qu'elles ont toutes leur spécificité. Mmh. Par contre, si je veux faire de la précision, de la finition, je suis sur mon ratissage. Ou... Enfin, je dis ça parce que moi, je suis plus dans le plâtre, oui. plâtre etc. Mais je vais me servir de celle-là. Ouais. Voilà. Après, on a des batteries. Bon, des batteries. Outils, Metabo. Mmh. On a une cisaille et une grignoteuse. Ah ouais. Cisaille et grignoteuse à tôle. Grignoteuse. Super bien. On va vous faire aussi une pause café dessus. J'avais déjà fait une reel Insta, je crois, un truc comme ça ouais. dessus. Fabuleux. Fabuleux. Ça prend jusqu'à 1,6 mm. Fabuleux. Je l'ai coupé avec ça. Ouais. Le truc tout à l'heure. Toi, tu l'as coupé droit. Ouais, ouais. Et nickel. Non, j'ai triché, j'ai mis un petit coup de meulabande ah bon. Après. J'allais dire non, mais je l'avais quand oh, même. Oh le mec, comment c'était drôle. Non, mais je l'avais quand même coupé droite, elle était quand même vachement droite. Hein, ouais. Non, mais je me dis, tiens. Grignoteuse, parfait si vous faites du bac acier. Vous savez, les taux ondulés de toiture, ne jamais. Parce que ça, j'y ai trop vu. Je puis voir. Ne jamais couper un bac acier à la disqueuse. Parce que ça bousille le support ouais. qu'il y a dessus, la il protection. Rouille, il n'y a plus de garantie, il est mort. Un bac acier, ça se coupe avec une grignoteuse. À froid, toujours, pas d'étincelle, rien. Et la cisaille. Voilà, et donc ça, c'est la petite cisaille. Donc, les deux sont super bien, sont complémentaires. Ça, ça va un peu plus vite. Ça, ça coupe un peu plus droit. Par contre, ça, l'avantage, bah, justement, c'est qu'on va pouvoir plonger en plein panneau. Alors, il faut faire un trou avant. Parce que là, il y a un petit sac récupérateur. Hein. Mais on peut l'enlever. On peut plonger en plein panneau. Mais surtout, ça, on va pouvoir faire des formes. Et avec une cisaille, par exemple, c'est de la tôle ondulée, on ne va pas pouvoir monter et descendre, alors qu'avec ça, on va pouvoir suivre l'ondulation et tout. Les deux sont complémentaires. Là, les deux chez Metabo, j'en suis vrai content. Il n'y a pas que qui en font. Mmh. Les spécialistes de ça, je crois, je ne veux pas dire de conneries, il me semble que c'est une marque allemande, c'est Trumpf, il me semble. Je crois que ça s'écrit T-R-U-M-P-H. C'est bleu et ils en font de la petite jusqu'à... Ah non, mais ils font des ouais. trucs, ça va du petit truc jusqu'à l'industriel. Mais si tu veux, c'est le Maffel de la découpe acier. Hein. C'est plus le même prix, hein, tu vois, parce que là, c'est le mec qui fait ça toute la journée, quoi. Mais ça, voilà, ça... Bon, pareil, pas indispensable du tout, hein. Après, petite raboteuse sur batterie. Ouais, le rabot. Le rabot Metabo, on en est vrai content. Ouais, on s'est servi même pour faire les plans de travail, tout ça, ouais, pour faire des retouches, etc. On en est vrai content, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà, ouais, il fait Son poids. Il fait son poids. Après, on a l'OHM, alors on va pas vous faire une démonstration, parce qu'on va vous faire une pause café, et on en a déjà parlé, on a déjà fait des pauses café dessus, mais on va vous en refaire une. Chalumeau hydrogène. Ah, donc, tu mets de l'eau, bon, tu mets pas l'eau du robinet, ouais. tu mets l'eau, ça te fait de l'hydrogène. Et donc, du coup, tu peux braser. Voilà. Et donc, tu brases, mais on a fait des brasures, des trucs. J'essaierai peut-être de vous faire une petite story demain sur Insta. T'as pas de réglage oxygène acétylène. Tu vois, t'as plus de mano oxygène acétylène, t'as plus rien, et t'allumes et tu brases comme un chalumeau. Hein. Alors, j'en entends d'ici, ouais, j'aimerais bien devoir faire du 2 pouces acier avec ça. C'est pas fait pour. Mais par contre, pour remplacer un petit chalumeau de plombier, c'est pas. Et puis c'est sécurisé. Et c'est made in France, les bichons. Et on trimballe pas, il n'y a pas une réserve d'hydrogène, c'est que ça le fait à mesure. Ouais. C'est-à-dire, même tu mets dans le camion, tu trimballes pas une bonbonne d'hydrogène. Ouais, quoi. T'as un carton, ça craint rien. Voilà, quoi. Au pire, voilà, il passe à travers le pare-brise, mais je veux dire, tu n'auras pas une explosion d'hydrogène. et on en est vrai content aussi. Rifteuse Metabo. On a fait une pause café. Bien sûr, on a fait une pause café. Pareil, moi je trouve que c'est tout optimisé. Tu as les embouts ici directement sur la poignée. Ici, tu pour changer l'embout, la clé, elle est directement ouais. derrière le récupérateur de rivets. Enfin, je trouve qu'en plus, c'est équilibré. Bon, pareil, pour le particulier, ça sert à rien, ouais. je veux dire. Tu mets 3 rivets par an. Tu prends une pince et puis ouais. voilà, je veux dire, t'as pas besoin d'acheter ça. Mais si tu fais de l'intensif... Par contre, l'autre à côté, là, le tank, ça pour un bricoleur, s'il en a qu'une à acheter, faut pas acheter ça. Mais ça, tu étires les bras, c'est bon. Ouais, ça. Alors ça fait partie de la gamme Makita, les bichons. J'ai commencé à être dans le bâtiment à 14 ans. À 14 ans, mon patron, il en avait une, ça faisait déjà 10 ans qu'il l'avait, la même que ça. Pour te dire, ça c'est, tu t'achètes ça, tu gardes une vie, quoi.
C'est indestructible. C'est, on appelle ça un tank, parce que vous voyez, ça a une forme de tank. C'est lourd et tout, mais par contre, ça c'est Jean-Michel, pousse-toi de devant, ça va bourriner sa race. Ah bah tu peux monter dessus, c'est le temps. Là, tu montes dessus, tu t'appuies, ouais, elle t'emmène. Ça, c'est fait pour poncer un plan de travail, un plateau de chaîne, etc. C'est surtout pas la ponceuse qu'il faut acheter si vous en avez qu'une à acheter. Mais par contre, si vous bricolez du bois régulièrement, que vous faites du gros plateau de table, etc., ça, c'est un bon investissement. Gardez-la aussi, celle-ci. Oh, mais tout le monde là, je connais pas un menuisier qui a pas ça, hein. Sans déconner, ça c'est la valeur sûre. Tu vois, je veux dire, pour dire à quel point Festool fait des ponceuses à bande qui sont fabuleuses, et bah quand les menuisiers ont des ponceuses à bande à acheter, ils achètent la Makita et pas la Festool. Parce que les deux sont bien, mais ça, c'est... Une valeur sûre. Ah, mais ça, tu... C'est quoi la référence? Indestructible. Je même pas... Tu... 94-03. Voilà. Un parquet, tu ponces un... Alors... Si t'as une chambre à faire, hein. Si t'as 200 mètres carrés, tu vas louer un truc. Mais c'est impeccable. Hein. Donc voilà. Après, là, on va passer rapidement. Donc en haut, c'est là-bas qu'on fout tout ce qui craint. Donc là-haut, on a des acides, on a des décapants, on a des trucs qui craignent. Tout là-haut, tu vois, des neutralisants rouille, enfin, pour faire rouiller de la ferraille, tout. Tout ce qui craint parce que... vu que déjà on s'en sert pas souvent, et quand on s'en sert, c'est souvent on bricole avec les enfants, au moins on est sûr et certain que la gamine elle va pas se retrouver avec une bouteille d'acide à main nue, voilà, c'est tout là-haut. Ensuite en dessous on a tout ce qui est traitement du bois, hors Rubio. Ouais. Parce que Rubio il a son étagère. Ouais. Voilà, hors Rubio, donc les teintes, les fondures, les cires, les vernis, les machins, c'est là. Là, on a tout ce qui est silicone. On va vous faire une pause café pour vous expliquer toutes les différences. Tout silicone, le silicone, mastic, etc. Mastic acrylique, des silicones intérieurs, extérieurs, silicone à l'acétate pour faire les joints de lavabo, joints de baignoire, les silicones de couleur, température, voilà, la colle, les superglues, les machins. Là, on a tout ce qui est droguerie. Ouais. Tu m'as dit la dernière fois que c'était de la droguerie, t'appelles ça droguerie. Non, mais ça m'a toujours fait rire, ça. Mais oui, les gens appellent ça de la droguerie. Non, mais c'est vrai, t'as un magasin de droguerie, ça va, enfin bref. Donc là, on a tout ce qui est, bien sûr, WD-40, le seul, l'unique. Ah, bah. Ah tiens, j'ai été voir. C'est vrai, non? Ouais, putain, je me rappelle plus. Oh, je suis deg. Pour la petite. J'avais été voir exprès. Ouais. L'histoire du WD-40. C'est ce que je t'avais dit ou pas? Non. Ah ouais? C'est autre chose, c'est presque... Ça vient de la NASA. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il y avait 40 utilisations, c'était pour autre chose. Ah les bichons, là, fact-checkez-moi ça sur Wikipédia, l'histoire du WD-40. Je l'avais trouvé et puis vous nous le mettez dans les commentaires. C'est l'outil à avoir tout ça. Ça, c'est le seul produit que je crois que ma femme connaît. Elle me dit, quand ça craint ce machin, t'as pas dit WD-40. Non, mais ça, c'est fabuleux. L'outil universel. Donc, ils ont décliné... Là, on en a plein parce qu'on est... c'est des partenaires et donc on teste. Et des fois, ils nous disent, ah, on a inventé le bec flexible. Alors, on leur dit, on vous en envoie, vous nous direz. Et on y essaye, donc tu vois, hop. Et on y trouve génial. Parce que bah, tu peux aller dans tous les endroits. Pas partout, quoi. Voilà. Hop. Et bah voilà. C'est toutes des petites conneries, mais WD-40, ils innovent, ils sont bien, et ils ont sorti la gamme spécialiste. Ouais. Donc, avec des huiles de coupe, ouais, avec des graisses, des lubrifiants silicone, lubrifiants serrure, c'est super bien. La qualité, top qualité, tout ça, ça il faut que tout bricoleur ait du double. Non, mais Sandec, ça ou une autre marque, parce qu'après, nous, on n'est pas mariés avec eux. Mais je pense du WD-40, tu en reviens. Bah, WD-40, oui. Voilà. Moi, il y en a qui disent que c'est parce que c'est la 40e tentative ou 40e fois. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça? C'est ça. D'accord. Parce qu'ils y sont arrivés au bout de la 40e fois ou un truc comme ça. D'accord. Merci, d'accord. C'est qui a dit ça? Il y en a au moins 15 qui ont sorti le truc. Oh, bah, on vous adore, les bichons, on vous adore. Donc, ensuite, on a la visserie. Bon, ça, tu peux peut-être t'en parler. Bah, si tu veux. Bah, oui. Parce que t'es quand même bon pour ça. Bah, là on a de la visserie, bah, on s'est efforcé de ranger donc, par diamètre et par taille. Donc on a un petit peu toutes les marques. Donc vu qu'on a plusieurs marques, bon, bah, pour l'empilage on a fait aussi comme on a pu. Nous on aime bien c'est utiliser des têtes à vis Torx. Et généralement donc la marque aussi Tech Pro, on peut utiliser la même tête pour plusieurs tailles de vis. Et ça c'est pratique parce que si tu changes d'embout à chaque fois,
Nous, on va dire les cruciformes, moi je suis pas fan. Pour Ah, les cruciformes, faut y abolir. vis à placo, bon, ça va pour machin, mais, quand je pense à mon grand-père qui avait juste un embout plat, là, quand j'essaye d'enlever une vis, je pleure à chaque fois. Donc je me dis, ça a quand même fait des sacrés progrès. Mais là, les Spax, c'est du torx aussi, hein. Donc, ouais, non, mais là, ce que j'ai montré, Oui, c'est. Spax, c'est du torx, hein. Voilà, toutes les tailles. Après, on a du Simpson Strong Style. Super bien. Voilà, pareil avec bon, c'est des applications multiples. Alors, moi, j'adore ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un manuel pour se servir notamment des connecteurs avec leur vis. Ça veut dire, enfin, je veux dire, tu t'as pas d'excuses, quoi. Tu mettrais le bon connecteur avec la bonne vis, avec les bonnes tailles. Puis leur boîte, tu m'as dit, Laurent, que Ah oui, alors ils ont une c'est pas, particularité. elles ont une petite particularité. C'est pas qu'elles sont étanches, mais par exemple, si tu le poses et qu'il se met à flotter. Surtout celle-ci. Ah, c'est celui-là, ouais. Ouais, parce que celle-ci, je les adore, c'est mes préférées. Pas mes vis préférées, même si elles sont très bien, mais là, les boîtes, c'est les boîtes préférées qu'on a. Voilà, si elle prend légèrement la flotte et que ça mouille dessus, c'est généralement, tout le monde connaît ça. Ça s'est mis dans la flotte, tu reprends ton truc, le carton il s'ouvre. Enfin Tu voilà. pleures du sang parce qu'en plus, c'est le moment où tu débauches, tu sais, il faut que tu te barres. Voilà, après, non, mais nous on adore, on s'en est Je servi, suis pas bah, sûr de comprendre. t'es pas sûr de comprendre. On s'en est servi pour faire. Ah non, j'allais dire pas la charpente là-bas, on a fait pour La brille, là, oui. ça sert à tout, ils font On des super vis, hein. s'en est servi pour faire. Bah, ça, je vais pas vous spoiler, mais la rambarde. Ah oui, on vous spoil pas. On vous spoil pas. Vous verrez ça saison 3. Donc bon, les vis, valeur sûre. Tech Pro, on est super content. Spax, on est super content. Simpson, on est super content. Après, on en teste régulièrement. Mais pareil. Fisher aussi. Fisher aussi. Les vis, de toute façon, c'est pareil, hein. Quand tu tapes dans des trucs pro, t'es rarement Ouais, déçu. ouais. Et elles ont toutes des Par contre, elles ont toutes spécificités. un peu des Ouais. spécificités, c'est pareil. Les vis, tu sais, des fois, les gens voient une vis, une vis. Non, non, non. Non, il y en Il y a a. des vis qui taraudaient tout le long, d'autres sont Ouais, pas voilà, il y en a taraudées. qui, avec le système Celle-ci. anti-fente. Mais les Ouais. Simpson sont très bons là-dedans. Hein. Et Spax aussi, bah Spax, ils sont archi connus là-dedans. En dessous, on a la boulonnerie, des agrafes, des clous, des rivets, des boulons, des vis, des machins. Tu vois, là, des fois, on a Fisher, nos copains de chez Fisher qu'on adore. Hein. Fisher, ultra bonne marque. Les chevilles. Ah oh, putain, les C'est chevilles dû au Fisher. power. Ouais, Duo Power, c'est bien, faut qu'on fasse une pause café. Les chevilles qui vont dans tout, matériaux pleins, matériaux creux. Voilà, ça, des fois, ça, c'est Fisher qui nous dit, tiens, les bichons, je vous envoie une petite boîte, vous essayez. Et puis vous nous dites ce que vous en pensez. Donc des fois on fait des essais, on vous en parle, on fait des stories. Des fois on vous en parle pas, mais par contre on les rappelle. On leur dit ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça faut y améliorer. Mais Fischer, on est rarement emmerdé. Hein. Non, non. C'est super. Fisher, c'est allemand. Fischer, c'est, je sais pas, Allemand. c'est peut-être Ouais, allemand. c'est allemand. Ouais. Ouais, voilà. Là on a les plus gros serre-joints du monde. J'ai envie de prendre Hein? ça, mon rétro, je l'ai pas à Voilà. l'intérieur. Il est tout mignonnet. Les plus gros serre-joints du monde, C'est mignon, moi. Pierre, donc tout à l'heure on vous disait, ça c'est une très 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 bonne marque qui nous Un bon sert des fois rapport pour faire des... qualité-prix. Ouais, très très bon Pierre, c'est rapport. espagnol. Espagnol, oui. Et Pierre qui ont sorti, n'en déplaise à Festool qu'on adore. Nous on n'aime pas trop les copies, hein. Tu sais, on aime bien la marque originale. Mais Pierre a sorti je sais pas si une copie, mais un système comme Festool. En plus derrière ce Voilà, système-là. qui ça et j'en avoir un Fisher. rapide de Festool, Ouais. mais je sais pas, il est peut-être en haut. Pour mettre sur les rails de Pour mettre sur guidage, les pour mettre sur rails les ou tables pour mettre sur les MFT. tables MFT, Ouais. les bichons. Tu vois, table MFT, hop, tu le mets là et tu peux serrer ta meuleuse. Ça ne sert à rien, hein. Et puis je pense niveau tarif, c'est quand même moins cher Ouais, que. Hein, moins que... cher, mais pour serrer un bout de bois en plein panneau, moins cher et très bien, hein. Ah, parce que je crois que celui-là, le sergent rapide chez Festool, j'ai déjà payé plus de 50 balles Ouais, le mais c'est machin. pareil, je pense, sur le garde-à-vie. Ouais, ah non, mais c'est sûr. Après, je sais pas. Alors après, on va voir dans le temps, mais je pense que je préfère quand même mon Festool. Même Ouais, si j'aime mais bien. non, mais Mais c'est. Pierre est très bien, Ouais. mais ouais, mais nous on est des, nous en plus Non, on est des mais. gros geeks de l'outillage. Et tu vois après avec les rails, voilà, c'est compatible avec tout, hein. C'est vraiment. Non, mais ça, voilà, c'était juste pour vous dire. Pierre, c'est quand même une valeur sûre. Faut y aller. Voilà. Donc tu vois, ils en font toutes les tailles, Ah hein. ouais, tu peux retourner. Ouais, Ça m'en sert des fois, réversible. ça. Ouais. Des fois, quand tu veux Alors, retourner ta Seb, tête. donne-nous un exemple d'application, parce que là, on a les bichons qui vont nous dire, oui, mais ça sert à rien de pouvoir retourner un truc. Ça. J'en ai un direct en tête. Vas-y. Bah, un cadre de porte. Ouais. Ou un cadre Oui, faites que tu veux écarter légèrement. Moi, je m'en suis servi pour plein de choses, mais des fois, c'était des situations un peu atypiques. Alors. Ouais. C'est vrai que tu t'en sers pas souvent, mais quand tu t'en as besoin, Quand t'es t'en as besoin, content. t'es content.
J'ai fait un petit aussi, dans le camion, je m'étais servi pour réajuster mes planches. Pierre aussi, l'avantage, c'est qu'ils font aussi bien pour le bois que pour l'acier, que pour pas mal de choses. Donc ça, c'est bien. Là, on a toute notre étagère d'abrasifs. Donc on a aussi bien du Fessoul que du Métabo. Que... Donc ça, tu sais, ça, c'est tous les patins de... aussi bien qui vont nous servir pour les cales manuelles que pour les ponceuses. Quasiment notre marque préférée unanimement, c'est Abranet de Mirka. Donc c'est ceux-là, tu vois, nous même quand ils sont usés, on les garde. Micro perforé, donc c'est ça là, voilà, Abranet. C'est pareil, c'est pas donné, mais tu gardes bien plus longtemps que... Plus longtemps, et surtout l'aspiration. En fait, ils sont micro perforés, tu vois, il n'y a pas des trous comme dans les abrasifs normaux. Et donc là, l'aspiration est parfaite sur toute la surface. On les adore. Bah, c'est les spécialistes du ponçage, hein, Mirka. Ouais, Mirka, là-dessus, c'est des dieux. Là, on a bon différentes 2-3 conneries, des disques à lamelles, des disques à tronçonner, des machins, de la graisse, des cols super glue. La future forêt, Sidamo, on en est super content. On s'en sert pas souvent, mais quand on s'en sert, quand on le sort, on se fait une grosse session d'affûtage, on est très content. Là, avec Seb, il y a pas longtemps, on s'est fait un petit dévidoir. Pour arranger par taille de grain. Un petit support pour mettre tous nos trucs. On prend ça chez Sidamo. Parce qu'en fait, on aime bien les packaging qu'ils ont. Ça paraît con, hein. Mais moi, j'aime bien. Et ils ont toutes les tailles. Donc, tu vois, 80, 100, 120, 140, etc. Jusqu'à 200 et quelques. T'en sers beaucoup pour le tour à bois aussi. Ouais, je m'en sers énormément pour le tour à bois. Mmh. Parce que, tu sais, à la fin, pour finir une petite pièce, bah, je m'en coupe 30 cm. Ça va bien. Ça, je vous donne une petite astuce. Les bichons. Faire briller. Ça, c'est ce que je me sers pour faire briller mes tubes de cuivre de plomberie. Voilà, ce genre de petits trucs qui sont très bien. Ça doit, je sais pas si c'est pas SIA. Attends, je me rappelle plus des marques. Enfin, on s'en fout. Mais je veux dire, c'est très bien, c'est très bien. Au-dessus, je sais pas si Martin, avec ses bras qu'on dirait des Velux, il va vous montrer. On a l'étagère de nos copains Rubio. Voilà, donc Rubio, bon, est-ce que ça vaut le coup encore d'en parler tellement qu'ils sont connus, tellement qu'ils sont bons, tellement que... Puis il y a l'Instant Pro, il y a... Ouais, Rubio, il y a tous les renseignements que vous voulez. Rubio, c'est incontournable. Ouais. C'est incontournable, c'est vraiment... À base d'huile de lin. À base d'huile de lin, naturelle, normes jouets, ton gamin peut mâchouiller ton plan de travail d'établi, ça craint rien, bon, à part peut-être qu'il ait des échardes. Il y a même pour l'application, franchement. Là, c'est Rubio, tu peux pas te louper. Quoi, bah, Martin, t'as fait ton plan de travail il y a pas longtemps, tu as trouvé comment? Bah, génial. Tu peux pas te louper. Tu vois, voilà, pas te louper, c'est vraiment génial. Ça, je te laisserai y présenter. Ouais. C'est ton truc. Là, on a tout ce qui est consommable pour les machines d'assemblage. Donc là, on voit qu'on a aussi bien de la colle à bois Griffon. Alors, Griffon, pareil, tu peux y aller les yeux fermés. Griffon, on adore. Kléberit aussi, que j'adore. Donc ça, c'est l'école. Là derrière, on a les lamellos, on a des biscuits, on a les dominos de Festool, on a voilà, tout un tas de choses. On a le pare-éclat de remplacement pour notre rail de 3 mètres qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux tout acheter. Voilà, Festool, c'est Festool, mais ils ont un catalogue de... quand t'as un problème, bah tu balances pas ton rail. T'es pas obligé de racheter tout le truc complet. Des trucs, là, on a de la fraise de défonceuse. Essentiellement, les bleus, là, ça va être de la fraise plutôt pour faire à la volée. Et les CMT qu'on a pris, c'est essentiellement de la grosse fraise pour de la défonceuse sous table. Attention, enfin, vous faites comme vous voulez, chacun prend ses responsabilités. Hein. Mais ne me collez pas une fraise qui fait 8 cm de diamètre, qui est faite pour être mise sur une défonceuse sous table avec une queue de 12, sur une défonceuse à la volée. Hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont perdu des doigts, voire même la moitié de la main. Hein. Quand tu vois la taille des fraises de défonceuse, tu ne mets pas ça sur une affleureuse Bosch 12 volts. Hein. Tu vois ce que je veux dire, parce que ça risque de saigner. Donc voilà, là, CMT, on aime bien cette marque, on n'a jamais bien été déçus. Il y a Freud aussi qui en fait des très bien. Ouais. On commence à voir arriver de plus en plus Freud, les deux Freud, sont bien. Ouais, on en voit de mais plus en CMT est très bien. Système Craig. Tout le système Craig, bon, le problème qu'il y a, c'est qu'on pourrait vous parler de tout pendant des heures, mais bon, tout le système Craig, on en a parlé 20 fois, on en fera peut-être une pause café. Ouais. Parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Ouais. En assemblage. Enfin, l'assemblage facile. De la colle contact, des rabots, des serre-joints, des diabaris divers et variés. La petite boîte de lamello de Clamex. Là, on a des résines. Parce que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. De temps en temps, on a des gens qui nous envoient des trucs pour qu'on teste. Donc là, c'est la marque Cléopâtre. C'est une bonne marque. On avait déjà essayé. On n'a jamais été emmerdé. C'est Foussier qui fait ça. Et on avait pris parce qu'on s'était dit avec Seb, on ferait une river table. C'est la classe. C'est la mode. C'est la mode. Même si bon, c'est pas... Ouais.
Voilà, maintenant la mode elle est passée quoi. Mais ce que je veux dire c'est que on essaiera un jour de voilà, on a déjà essayé, on a déjà fait des tests, vous voyez qu'il y a déjà des bidons un peu entamés. On en est bien content, bon. Là on a ça, ça va être une pause café. Policheuse. La policheuse, une vraie policheuse Mirka de la vraie marque, les leaders mondiaux. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, avant de vous faire les tests, on fait les essais. Voilà. C'est, je te poliche le bras. Donc nickel. Bon, ça, nous, on à la base, c'était fait pour policher des bagnoles, des trucs comme ça. Maintenant, ça arrive dans la menuiserie, dans l'industrie du meuble. Tu sais, les tables avec la résine et tout aussi. Ouais. Donc ça, un coup, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un projet résine. Et puis, on en profitera pour faire une pause café Mirka. Carrément cool. Ok, voilà. Là-dessous, Seb va vous en parler. Et puis, bah, je vous parlerai un peu du reste après. Là... Seb, tiens, rattaque peut-être de là, toi. Ouais. Parce que tu vois, peut-être de vite faire un peu les 2-3 machines. Ça, tu t'en rappelles? Celle-ci. Ah, celle-là, elle est géniale. Ça, c'est génial. Ça, c'est révolutionnaire. Scie à ruban portative. La petite scie à ruban de chez Milwaukee pour couper de la tige filetée, etc. Ça, c'est carrément top. Pareil, j'en vois de plus en plus utiliser ce genre d'appareil. Et moi, pareil, depuis que je m'en sers, c'est fini, je coupe plus ça à la disqueuse. Voilà. Ensuite, on a... Ça, c'est bien. Ça, c'est couteau oscillant. Ah oui, couteau oscillant. Multifonction. Voilà, avec le système rapide, là. Ouais. Ouais. Super bien, aussi, à batterie. Voilà, sur batterie. Pareil. À côté, on a... Bah, c'est peut-être pas la peine de tout sortir, mais à côté, on a un laser. Là, c'est le laser de ligne Milwaukee, l'aspirateur que je vous parlais tout à l'heure en 22 volts. Voilà, avec les petits embouts. Soit t'as envie, tu peux passer ça aussi dans ta bagnole, mais bon. Ça, c'est génial. Hein. Voilà, on s'en sert, ouais. On s'en sert pas mal aussi avec le. Avec le décolmatage manuel. Ouais, un petit bouton. Bon. Mais il y a quand même le décolmatage. Ouais. Ouais, mais manuel. Ouais, manuel. Mmh. Bon, tu vas pas faire du plâtre et faire ça. Voilà, c'est pas. Non, mais ça, c'est pas fait pour mettre au cul. Voilà, voilà, on est d'accord. Voilà, là on a le laser 3 lignes Hilti. Super bien, génial, oh, que j'adore. Hyper qualitatif. Même si on adore quand même le Bosch bleu. Hein. Ouais, non, mais ils sont tous. Ouais, j'aimerais bien tester aussi le Milwaukee 3 lignes. Ah ouais, bah faut qu'on leur demande si des fois comme ça fera une pause café pour les bichons. Plongeante métabo sur batterie. Qui est génial. Si plongeante métabo sur. Les bichons, on va pas vous ouvrir toutes les caisses, c'est impossible, sinon on va finir à 22h. On va vous expliquer rapidement parce que soit on fait des pauses café régulières et puis on va vous en faire de plus en plus, soit vous y voyez dans les vidéos, soit sinon après bah, sur Bichon TV, on vous expliquera tout. Ça, c'est une de leurs nouvelles scies. On en avait parlé aussi dans la pause café. Ça, c'est une très bonne alternative à la TS55. Un petit peu moins cher. Moi, je préfère la TS55 quand même. Ouais. Mais elle est très très bien sur rail et à batterie. Alors, Festool vient de sortir la TS55 à batterie avec en plus un système anti-kickback. Ouais. Donc, faudra qu'on les contacte, qu'on la teste. Ça, c'est des valeurs sûres. Ça, par contre, moi, je pense ça pour un bricoleur. C'est en scie, ça, c'est un pec. Hein. Ouais. Et toi, tu préfères la Festool, la TS55? Oui, mais je veux dire, tiens, un bricoleur qui aurait peut-être pas les moyens ou qui voudrait peut-être pas prendre une TS55, bah, moi, celle-là, je l'adore. Hein. Mais je préfère presque la TS55. Ouais. Elle est plus accessible. Plus accessible et elle a l'air bien bâtie. Bah oui. Elle a l'air. Non, mais moi, j'en suis. On n'a pas fait de pause café là-dessus. Non. Et ben, au pire. En plus, moi, j'ai la TS55, donc je pourrais vous dire exactement. Ah, bah ouais. Bah, au pire, on en fera une. On en fera une. Donc, bon, voilà, une valeur sûre. J'arrive jamais à manger. Alors, dans les boîtes, big up absolu à Festool. Putain, les mecs, si vous nous... Là, je vais m'énerver, là. Les fabricants de matériel, si vous nous écoutez, Festool a une idée géniale. C'est qu'en fait, il y a une photo de comment c'est rangé dans le cisternaire. Ça date pas d'hier. Et ça date pas d'hier. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi tous les fabricants ne font pas ça. Bah oui, mais c'est vraiment. Moi, franchement, je me sers souvent de l'image. Bah ouais, c'est vraiment tellement génial. Rapidement. Alors, les bichons, un outil révolutionnaire. Exclusivité complète, là, on va vous montrer. Ouais. Alors là, ça marche sans fil, sans batterie, sans rien. C'est la chignole du grand-père. Ça, c'est, tu devrais le mettre en déco, celle-ci. Ouais, mais je l'adore. Donc, celle-là, elle était à mon papy, à mon pépé, d'ailleurs, que j'adore, qui est plus là. Mais j'ai récupéré sa chignole.
Je m'en sers pas plus que ça, mais je la garde, c'est sentimental. Voilà. Débrayable, multi. Tu peux la débrayer et tourner à deux vitesses différentes. Hein. T'as deux trucs de pignon. Hein. Mais ça, tu sais que. Là, tu rigoles, nous on perçait je t'ai dit, les pipelines. On n'avait pas le droit d'utiliser des outils électroportatifs à cause des étincelles. Et on perçait le tube pour voir s'il n'y a pas du gaz dedans avec ce genre de Et chignol. ça, c'est très efficace. Hein. Faut avoir une bonne mèche par contre. Bon, par contre, ouais, une bonne mèche et puis voilà, tu. Ouais. C'est clair que si elle n'est pas futée, ça pas. Ça, c'est pour couper de la mousse. Ouais, ça c'est un outil ultra spécifique, donc vous n'avez pas besoin. Mais ça, c'est comme je vous disais, avec ma fille qui veut être tapissière, de temps en temps on fait des trucs. Donc ça, c'est une scie à mousse, tout simplement. Ça, c'est pour une petite meule, là, c'est pour remplacer un peu les gammes pneumatiques. Ouais. Ça, les mécanos, souvent, avec tu mets une petite brosse au bout, une Et petite ça fait. vis. Bah, c'est pour accéder dans les endroits un peu, tu Ouais. vois, où t'as pas vraiment de place, 4 vitesses, En fait, etc. Milwaukee fait beaucoup d'outillage pour les Ah, je me mécaniciens rappelle bien. et Milwaukee est en train de remplacer toute la gamme qui était avant pneumatique à En batterie. électro et Voilà, voilà. en Alors, d'après eux, électrocordatif. ça serait plus puissant. Donc, Ouais, donc en fait, Milwaukee, quand on a discuté avec eux, quand on avait été les voir à la conférence de presse, ils nous avaient dit, chez nous, on veut plus de fil et chez nous, on veut plus de tuyaux pneumatiques, on remplace tout par de la batterie. Et ça fonctionne bien. voilà, puis ça va, c'est léger. Ouais. Bah tiens, Martin, mets-toi à ma place, tu veux. La fleureuse DeWalt. DeWalt, je l'adore. Ouais. Ça, pareil, t'arrêtes pas de t'en servir, celle-ci. Pas Et très tu. cher. Ouais, celle-ci c'est accessible. Mais généralement, c'est quand même assez accessible hein, ce dewall. Ouais. C'est pas celle-là qu'ils mettent sur les petites Si, makerbot et tout? c'est là-dessus qu'ils mettent, c'est ça qu'ils mettent sur les petites CNC. Là ensuite, la scie à ruban. Alors, ça, je la Bah kiffe. alors Scie à ruban. Ah ouais, je l'adore. Scie à ruban métabo. Oui. Métabo sur batterie. Pareil, on n'arrête pas de s'en servir tout le temps, tout le temps. J'ai même coupé les lames avec, les là. bordures Ouais, avec. les fer plats, Les les gros fer plats, fer voilà. plats. Et puis après, bah, je te laisse présenter parce que là, c'est plus. Ouais, bah après, si tu veux, je vais te présenter Voilà. vite fait. Bon, alors, qu'est-ce qui reste si on essaye de faire ça efficacement? Alors là, bon, des chiffons, machin. Bon, là, on passe rapide du petit produit. Là, on a. Ça, je vous en parlerai en même temps que le tour. Là-haut, bah tiens, on va parler un peu. On va continuer déjà les festools. TS75, donc scie plongeante de 75. La cherchez pas en ce moment, elle est plus sur le site internet parce qu'ils sont en rupture de stock. Tous les fabricants en ce moment, il n'y a plus de stock nulle part, ils n'arrivent plus à avoir de pièces, c'est la pénurie complète. Génial, j'en suis très content. Ça, c'est la SSU200, c'est la scie à chaîne de charpente de festool, je m'en sers beaucoup. Enfin, beaucoup, je m'en sers quand je fais de la charpente. La Domino XL, Ah non, on vous l'a pas présenté. Non, j'ai fait Toi, tu la as fait la 500. 500. Ouais, la Bon, 500. Domino, C'est même, enfin, c'est la plus. Ouais. c'est des tueries, quoi. Enfin, je veux Ah dire, ouais, quand tu as j'adore. goûté à ça, pareil, il faut en avoir l'utilité. C'est un peu cher, faut être pro, quoi. Ouais. Bah, Si c'est t'es sûr, c'est. particulier et Si c'est pour tu. faire un meuble à chaussures une fois dans Ouais, si t'es l'année, particulier et que tu fais ça un fait un meuble à peu cher chaussures. le meuble à Ouais, chaussures. faut pas y acheter. Hein, Non, mais tu fais c'est tellement tout parfait. avec. De quoi? Comme tu Mais fais c'est tout. pareil, au début, tu dis bon, ouais, et puis après, ça t'ouvre des perspectives. Du coup, ah, bah tiens, je vais peut-être Ouais. faire ce meuble-là, je vais peut-être faire. Ouais. Ça, souvent, ça Et en part comme fait, tu ça, quoi. l'achètes et les idées elles viennent après, t'inquiète. Oui, t'inquiète, les idées viennent. Surtout si le mec il est un peu bricoleur. La fameuse TS55, donc c'est une scie plongeante avec celle que je m'étais blessé. Je l'adore, c'est celle que je me sers le plus, c'est la référence, c'est Valeur une sûre. valeur sûre, hein, extraordinaire, fabuleux, y a rien à dire dessus. J'ai hâte de tester leur nouveau modèle sur batterie avec le système anti-kickback. On fera une pause café, Ouais. voir si c'est mieux, si c'est pas mieux. Très bien. Une ponceuse ETS EC150. Alors, ça, par contre, ça peut être une ponceuse un peu à tout faire. Ouais. Peut-être pas aussi polyvalent que la Rotex, Ouais. mais Mais c'est costaud, quoi, je veux que dire. ça c'est Pareil, tu peux costaud. monter La dessus. festool. La petite Domino Celle-ci, 500. on nous a fait une pause Là, café. on a fait une pause café sur Bichon TV. Une affleureuse OFK 700 très spécifique. On n'a même pas prévu de faire des pauses café pour l'instant parce que on en fera peut-être une un jour. Vous m'en avez déjà vu m'en servir, mais très spécifique. Ça, c'est vraiment quelque chose pour du stratifié, c'est très précis. Il faut vraiment prendre le temps de la régler. Par contre, ça fait un boulot, c'est une vitre, hein, c'est industriel. Hein, mais voilà. D'accord. La petite défonceuse OF1010 que j'adore, qui est. Si vous en avez qu'une à prendre, prenez au moins une 1400 watts. Prenez peut-être pas en dessous de 1400 watts, vous allez être bloqué si vous en avez qu'une à prendre. Par contre, moi, je l'aime bien parce que c'est avec elle que je fais tous les systèmes LR32. Les petits trous et tout, et je l'aime bien parce qu'elle est très petite, j'adore. D'ailleurs, je ne l'ai pas la 1400, faudrait peut-être qu'on la demande pour la tester, enfin Ouais. on verra.
Ça, c'est un kit de trucs aspirateur. Ça, c'est la Conturo pour coller les bandes de champ. Vous allez voir la vidéo du dressing où machin, on s'en sert tout le temps. Donc là, les deux caisses vont ensemble. Pareil, ça, c'est ultra spécifique. Ça, enfin, ça, c'est la boîte de la défonceuse sous table. Elle est vide. Et ça, c'est ultra spécifique. Ça, c'est le système de serrage sous vide. Festool. Vaxis, qui est extraordinaire. Pareil, quand t'as goûté à ça, machin. Bah, y a rien qui t'emmerde autour, quoi. Voilà, en fait, c'est, ça fait un système sous vide. Il y en a qui se les fabriquent. Ouais. Avec des compresseurs modifiés un peu en mode bidouille. Si t'es pro, que tu t'en sers régulièrement, ça vaut le coup. Sinon, bah, c'est pareil, c'est, tu vas pas acheter un truc comme ça, bah, qui est pro, qui est très spécifique pour t'en servir. Par contre, avec la Conturo et machin, que tu fais. Ah bah par contre, ah non, mais le combo Conturo, ah là, c'est, moi j'y adore. C'est fabuleux. Au-dessus, une scie sauteuse Festool que j'adore, que j'ai depuis plus de 10 ans, qui fonctionne comme au premier jour, qui est impeccable. Les caisses qu'il y a au-dessus, bon, c'est du consommable, des bandes pour les tourets, pour le tank, voilà. Des rubans d'avance, là, il y a encore des outils de toupie. Tiens, là-haut, on a le découpeur plasma que vous avez peut-être en jaune, là-bas. On s'en sert pas souvent, mais quand on en a besoin, on est trop content de l'avoir. C'est du GIS aussi, c'est de la très très bonne qualité. Là, c'est un cutter à tôle, hein. C'est-à-dire que tu prends une tôle, tu appuies sur le bouton, tu coupes la tôle. Mais pareil, c'est très spécifique. Ah bah oui. Un métallique, si peut-être quelqu'un tu sais, qui fait un peu des sculptures, ouais. Tu sais, qui voudrait faire un petit peu des petites œuvres d'art. Avec quatre ailes trophiques. Ouais, mais je m'en suis déjà quand même beaucoup servi, ouais. Et j'en suis content. On a fait le tour d'ici, on arrive, ça tu présenteras. Je vais juste faire un petit point sur le tour. Donc là, ici, on est sur le côté vraiment métallerie. Donc là, on a tous les outillages de tours à métaux. Tu vois, des trucs que Griffon nous envoie, qu'on teste. Les cagoules de soudure, les petits chalumeaux, les baguettes de TIG, les recharges pour le MIG et tout, c'est tout là. Et on a donc ce fameux tour. Alors, Sidamo TP75 Visu. J'en suis très content pour ce que j'en fais. C'est-à-dire que je vais vous dire exactement la même chose que je vous ai dit avec la fraiseuse. Ce n'est pas un tour à destination des tourneurs professionnels. C'est clair. C'est un tour qui va être parfait pour les Fab Labs, pour le prototypage. C'est un tour qui va être parfait pour les gars comme moi, qui bricolent. Une connerie de temps en temps, je m'en sers souvent, je m'en suis servi beaucoup. Il y a des périodes, hein, il y a des fois pendant un mois, je reste sans m'en servir, puis il y a des fois, je vais m'en servir trois jours à la suite. Voilà, là, tu vois, on l'entretient bien, on le tient très propre. C'est, par exemple, bien pour quelqu'un qui a une toute petite mécanique générale et qui refait des petites retouches. C'est quelqu'un ça va être bien pour quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui a une petite motoculture. Un petit magasin de motoculture, il y a un petit taxe sur une tondeuse qui pète, un truc un peu vieux, tu retrouves pas trop les pièces. Oh, vous inquiétez pas, mon petit monsieur Chambier, vous êtes un bon client, je peux vous revendre une tondeuse neuve. Je vais vous tourner une petite pièce ce week-end et ça va repartir. Voilà, ça c'est impeccable pour ce genre de choses. T'as fait les poignées avec. J'ai fait des poignées, il y a un système d'avance automatique, filetage, une petite visu. Bon, c'est très bien, mais... Si vous êtes tourneur-fraiseur, c'est bien sûr pas du tout ce qu'il faut prendre. Va falloir prendre comme comme on parlait tout à l'heure de la fraiseuse, c'est des tours qui font 2 tonnes, j'en sais rien, et qui sont peut-être un peu plus numériques et tout. Par contre, pour la bricole, petit prototype, tout, c'est parfait. Pour le laiton, tout, c'est parfait. Ça taraude, ça fait tout ce qu'on veut. J'en suis très content pour l'usage que j'en ai. Petite radio Festool, la soufflette, on ne vous la représente pas. On a fait une vidéo spéciale sur tout le circuit d'air comprimé. Voilà. Seb présente ça et puis moi je présenterai le petit tour. Pareil, la scie ruban qu'on a mis sur roulette. Ouais, tout sur roulette. Celle-ci, vous l'avez beaucoup vu dans les pauses café avec la descente automatique. Voilà. Qu'on adore. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour une utilisation déjà, on va dire, professionnelle régulière. J'avais présenté la SR171V qui est plus, on va dire semi-stationnaire. Mais bon, là, ouais, voilà, on est sur un truc qui est quand même au-dessus. Là, on a donc, je disais, une descente automatique. Et quand elle va arriver en butée, eh ben, elle va se couper. Voilà, avec l'étau, pareil, avec l'étau à serrage rapide. On coupe du gros, du très gros avec. On peut aller jusqu'à du 200, je crois. Voilà, donc le réglage on a le réglage de la tension.
Bon, en fait, l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre en route la machine avec, bon, il y a le graissage, tout ça, donc faut vérifier quand même qu'il y a le graissage. Mais on peut faire un petit truc à côté. Bon, faut pas trop. Ouais. Dans la sécurité, faut pas trop s'éloigner. Mais bon, l'avantage, c'est que voilà, tu mets ta pièce, tu te mets à côté. Quand tu veux faire des petits projets, des machins, La précision, pas voilà, tu coupes à d'étincelles. 40, t'as envie de couper à 45, tu coupes à 45. Je veux dire, par rapport à prendre une disqueuse, à essayer d'y couper, Ah, enfin, ça n'a mais. rien à voir. Mais bon, pareil, si vous commencez, bah, il y a des petits modèles, SR, la 120, il y a la Bah, 171, moi, etc. je l'ai depuis 2 ans, Oui. pareil, et pendant 2 ans, pendant 2 ans, pendant 10 ans, j'en avais une Oui, tout petite la qu'on voyait au 120, début oui. sur mes vidéos, c'est une Pro Max, je crois, c'était un peu comme une Sidamo, hein, qui était fabuleuse, qui était bien. Bon, par contre, ça va pas bricoler, quoi. L'avantage quand même, c'est que tu peux la trimballer sur les Ouais, chantiers, voilà, parce ça que tu ça, vas tu vas pas y pas. trimballer. Mais c'est très bien. Moi, vraiment, si j'ai un conseil à donner dans les premiers achats aussi, si vous bricolez un peu le métal, c'est de prendre quand même une petite scie à ruban. Ouais. C'est quand même pas très cher. Non, Oui, il y a ça. des entrées de gamme à 200-300 balles. Oui. C'est très efficace. Celle que j'ai présentée, elle est déjà à Ouais. 900 euros. Entre faire une coupe à 45 à la meuleuse et à la scie à ruban, il n'y a pas photo Ah quand non, mais la même. meuleuse, faut y abolir. La meuleuse, ça va bien quand t'as une merde à retoucher, mais moi, j'y touche plus. Et puis, j'aime pas ce. Et puis un atelier où tu sais, t'es toujours entouré, tu sais, ça peut prendre feu, t'as 8 mètres d'étincelle au cul. C'est pas Je dis pas, précis, j'y ai jamais c'est fait, des mais je veux bavures. dire, ouais, les bavures, la petite scie à ruban, c'est vraiment impeccable, hein. Il y a des entrées de gamme, en étant honnête, qui sont pas Pour des chères. petits projets, c'est nickel. Alors oui, t'as pas la descente automatique, Oui. mais tu t'en fous pour couper du carré de 44, pour faire ça, un établi, un Ah truc, bah t'as c'est. pas besoin d'avoir ça pour faire un établi. Voilà, c'est très C'est bien. clair. C'est très bien. Donc là, ça, c'était la Sidamo. On en est très content. Sidamo, en règle générale, on n'en est pas bien mécontent. Hein. Ouais, moi j'aime bien. On en est bien content. Ils Ils font pas mal sont. de. Ils ont... J'étais monté les voir, les copains, ils sont à Blois. Voilà. Vers Poitiers, etc. Tour à bois. Tour à bois. Alors, tour à bois. Entrée de gamme pro. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'entrée de gamme. C'est pareil, si vous êtes tourneur sur bois, que vous en faites 8 heures par jour, je pense que ce n'est pas ce qu'il vous faut. Par contre, bricoleur, pro qui bricole des trucs de temps en temps, c'est bien. J'en suis archi content. Je me sers plus du tour à bois que du tour à métal. D'abord parce que c'est un peu plus facile, tu vois, ça fait des trucs. Et avec, je fais plein de projets sympas. Bah tiens, tu vois, des cloquetiers. Voilà, pour les enfants. Ça fait des Je fais assiettes. des assiettes, je fais des rouleaux à pâtisserie, j'ai fait le vase segmenté qui est là-bas. Je fais plein de choses, j'adore. Ça, pour moi, de tout ce qu'on vous a montré, si vous voulez bricoler, vous voulez vous mettre dans une passion, ça, pour moi, c'est vraiment parfait. Parce que ça se suffit à lui-même. T'as pas besoin d'avoir 50 autres machines à côté. Tu peux démarrer avec peu de choses, un tour, une poignée de ciseaux. T'as pas besoin de beaucoup de place. Tu vois, on imagine. Là, un tour à bois, une fois qu'il est installé, t'as besoin d'un mètre, hein, là. Hein. Tu vois, par contre, bon, quand tu t'en sers, ça fout le bordel de partout. Hein. Moi, quand je fais du tour à bois, je passe 25 minutes à ranger parce que ça gicle jusqu'à là-bas. Mais je veux dire, quelqu'un qui est chez lui, qui a pas trop de place, ça fait pas tellement de bruit. Tu peux vite t'amuser, vite faire des petits jouets, vite faire des trucs. Ça, c'est vraiment le loisir. Tiens, un petit retraité. En plus, Ou toi, tu te un. vides la tête quand tu penses à ça, Voilà. genre. Et moi, souvent, je bricole souvent le week-end. Parce que tu sais, je bricole toute la semaine, mais ça ne me suffit pas pour me vider la tête, je rebricole. Et quand je rebricole, eh ben, ce qui me vide le plus la tête, c'est le toit. Donc, Marie, ma grande, je commence à lui faire faire des trucs faciles, hein, parce que le tour à bois, c'est quand même dangereux. Hein, il faut quand même deux, trois notions. Hein. Mais il y a plein de tutos, il y a des très bons livres. Il y a BLB Bois, Le Bouvet, qui avait édité des livres de tournage sur bois qui sont fabuleux, qui t'apprennent les bases. Mais surtout, c'est très ludique et ça te vide la tête. Et c'est tellement satisfaisant. Tu mets un bout carré, même moi, Marie, je l'entraîne, je lui mets un bout carré, je lui dis, tu me le transformes en rond, tu sais, tu y vas Ah, doucement. c'est Oh là, putain, c'est. Oh, moi, ça me vide la tête. Quand tu fais hallucinant. ça, il faut une visière. Parce que là, quand t'as une pièce bois qui se décroche et que t'es à 1200 tours minute et qu'elle te part dans la tronche, t'es content du voyage. Donc là, il faut absolument une visière. L'idéal, c'est vraiment une visière intégrale. Et puis, moi, je me mets ma petite musique dans les oreilles et
Oh, j'adore, vraiment le tour à bois, j'adore. C'est Hulls Profi le mien. L'avantage c'est que tu peux aussi tout l'équiper. Donc c'est-à-dire que tu peux racheter plein d'accessoires, tu vois, des trucs déportés, des mains dans tous les sens. Bon, moi il est équipé très simplement, parce que d'abord je suis pas un tourneur de métier et je m'en sers que pour m'amuser en règle générale, quoi, pour bricoler des trucs. Mais j'adore. Hein. Là, tu vois, j'avais monté un système pour prendre une assiette. J'adore. La commande se déporte. Je suis en 220 volts. T'es pas obligé d'avoir le triphasé. Je suis pas obligé. Le tour et la scie, on est en 220 aussi. Hein. Voilà, j'en suis vraiment content pour ce que j'en fais. Il y a mieux, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu agacé, mais j'en ai fait mon affaire et j'en suis relativement content et il sert quand même régulièrement. L'établi, on va pas vous le présenter, les bichons, parce qu'on en est déjà à 2 heures de vidéo. Et bon, on avait fait une vidéo entière. Juste une question, il y a Benjamin qui demande dans sa boîte, ils leur ont interdit les meuleuses d'angle parce qu'il y a trop d'accidents et ils cherchent un truc pour couper du chemin de câble. Ah bah la scie à ruban portative, bien sûr. Ah bah là ça, voilà, fabuleux, impeccable. Ça c'est vraiment génial. Les plombiers, moi je coupe tous mes tuyaux de cuivre maintenant comme ça. Hein. J'envoie sur les chantiers avec les, tu sais ce qu'on appelait les feignes là. Tu sais le couteau oscillant. Bon ça va bien pour te dépanner, mais il y en a je vois couper les tuyaux, tu sais ça rip ça. La scie sabre. La scie sabre encore. Ça va bien encore. Mais Et vas-y Kiki, fabuleux. Hein. S'il y a des questions, t'hésites pas à nous couper. Je crois que pour l'instant, c'est tout. On va faire le tour rapidement. Ici, on va pas tout vous représenter parce qu'on a fait quasi des pauses qui a fait tout. Tout le Rush Pro 12 volts. Donc, pour vous dire qu'on l'aime bien. Et s'il est ici, c'est qu'on s'en sert tous les jours. Bah, c'est dans le tiroir en haut. Voilà. Donc, ça va de la petite affleureuse. On se sert de tout. La petite affleureuse. La mini meuleuse hein, qu'on adore. La petite scie sabre. Donc ça, on s'en sert tous les jours. Là, on a tout ce qui est coupe et vissage. Donc ça va de des forêts bois, des mèches béton, des tarots, des embouts de visseuse, tout ça, c'est tout là. Là, on a un peu de pays. Il n'y a pas beaucoup de choses, parce qu'en fait, vu qu'on est en train de bricoler à l'étage à la maison, c'est presque tout là-bas. Mais c'est là qu'on a, par exemple, nos lunettes, nos gants, des trucs comme ça. Là, on a la deuxième truc EPI, parce qu'on a beaucoup d'EPI, on essaie de prendre bien soin de nous. Avec les trousses de secours qu'on essaye de sortir le moins possible, mais elles sortent quand même de temps en temps. Ce sont ces petites coupures, des conneries. Des frontales, les gants latex, les machins. Là, c'est on a toute la martellerie, petites coupes, les ciseaux à bois, les limes, les trucs comme ça. Te laisse présenter le tiroir le plus important de tout l'atelier qu'on ouvre 200 fois par jour. Là, c'est quand tu bricoles, c'est indispensable. Et mètre, fosse équerre, traçage mesure, voilà. Les fosses équerre, une petite lampe, qu'est-ce que t'as ? Un petit niveau, tu vois, des mètres de toutes les tailles, parce que tu ne prends pas un mètre de 8 mètres pour mesurer un truc qui fait 50 cm, donc tu vas prendre le mètre de 3 mètres. Des feutres, voilà. Ah, les Pika, on adore. Les copains de Pika, de temps en temps, ils nous envoient un peu de matos, mais on n'est jamais déçus. On adore. Hein. Donc voilà, un petit peu de poids. Ouais, voilà, des pointes à tracer. Tout ce que tu peux trouver pour mesurer. Pour mesurer, pour tracer des cutters. Un trusquin. Voilà. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, on a un peu de festool aussi. Les trois quarts, on va pas vous montrer dans les boîtes, parce que les trois quarts des boîtes sont vides, vu qu'on bosse en haut avec. Donc là, on met la petite visseuse. Une ponceuse Delta. Tiens, elle, faut qu'on fasse une pause café. Hein. Elle est vraiment géniale. Delta, c'est triangle. Donc, tu sais, pour les volets, les machins. La visseuse 18 volts. Une ponceuse un peu spéciale pour les moulures, les machins. La Rotex. Ça, par contre, ça peut être la première ponceuse. Je pense que voilà, parce que celle-là, elle est... Ouais, peut-être en 125 même. 90, vraiment, si t'en as qu'une. Ouais, je sais pas. C'est petit, 90. 90, c'est petit. Hein. 90, c'est un pack pour du volet, de la marche d'escalier. Moi je dis s'il y en a qu'une à acheter, peut-être la. Moi je privilégie. Ouais, ou 125, je dirais, je pense.
Mais là, la Rotex, bon, bah, valeur sûre. Puis là, tu grimpes tu dessus. Bombes, tu montes dessus. Celle-là, tu mets, voilà, t'as le Delta aussi dessus. Ouais, celle-là, par contre, la 90, elle a aussi l'embout triangle. Voilà, mais qui n'a rien à voir avec la vraie pose Delta. Non, hein, c'est... Mais bon, quand t'es dans les angles, c'est bien pratique. Ouais. En deux secondes, tu passes du rond au triangle. Ouais, ouais, t'es bien content. Kit LR32. Le kit LR32, là, c'est nos caisses à outils. Généraliste et Elec qui sont vides parce qu'en ce moment, en ce moment les trois quarts des boîtes, il n'y a rien dedans parce qu'elles sont réparties sur tout le chantier, notamment à la cuisine vu que c'est là qu'on bosse. Et les caisses, bon bah voilà, là c'est vide parce que les outils sont en haut. Une petite agrafeuse, des cahiers de chantier, on en a partout. Et tiens, derrière il y a la Dymo. Parce qu'alors ça, indispensable, surtout chez nous. On étiquette tout, nous, c'est facile. L'étiqueteuse qu'on a pris d'ailleurs chez Outils des Pros. Ils font l'étiqueteuse et ils font les cartouches d'étiquette. Alors ça, on s'en sert pour tout. On l'adore. Voilà, on est toujours en train de tout étiqueter. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter rapidement? Bon, le système d'aspiration, on vous en a parlé. On va pas vous le montrer, on vous en a déjà parlé. On a un gros aspirateur Felder, double sac. Ça doit être le modèle AF22 en triphasé. Avec commande déportée, quand on met en route les machines, ça met en route l'aspirateur. Protection incendie, on a tout ce qu'il faut. On tire pas sur la cam, on a des extincteurs, des couvertures de survie, des couvertures anti-feu, des boules d'extinction autonomes. Tu vois, je sais pas si tu arriveras à les monter là, à les montrer au-dessus, là-haut, ouais, au-dessus de la mezzanine. Faut que tu prennes du recul. Ah ouais, parce que j'ai les grands bras, mais peut-être pas abuser non plus. Ah, tu vois, les boules, on a des choses comme ça, les boules d'extinction autonomes. Donc ça vraiment. Dès qu'il y a un truc qui craint, au-dessus du Fab Lab, il y a un extincteur autonome. Dans la pièce de l'aspirateur, au-dessus de l'aspirateur, il y a un extincteur. Et d'ailleurs, on a été éteindre un incendie chez les voisins. Bah, vous avez vu, j'avais dû faire une story. Il n'y a pas longtemps, parce qu'il avait passé le désherbeur thermique à 35 degrés dehors au pied d'une haie de sapin. Bon. L'idée du siècle, tu vois, voilà. Et donc tout d'un coup, ma femme, elle me dit, tiens, les voisins doivent faire un barbecue. J'ai dit, ça, c'est pas un barbecue, il y a des flammes de 4,50 m. Donc du coup, j'y étais, quand je suis arrivé, il avait une bouteille de Vittel de 1 litre, et tu sais, il la pressait comme ça, il faisait comme ça. T'sais. Donc heureusement, j'y étais, j'avais les extincteurs et tout, on a pu sauver les meubles, on a appelé les pompiers et tout, mais tout ça pour dire, un extincteur, les bichons, ça vaut 40 balles. On en a de partout. Là, c'est trop précieux. Voilà, et puis ça peut sauver des vies. Voilà. Nous, les extincteurs, tiens d'ailleurs, j'avais envie de le. On n'a aucun partenariat avec eux, ils nous ont jamais rien donné, rien machin. Mais quand on trouve une boîte bien, faut le dire. Je prends ça, je crois, chez Mondial Extincteur sur internet. C'est livré dans la semaine. Ils sont super sympas et super bien placés en prix. Ouais. Voilà, je vais faire passer l'info. Non, mais parce que les bichons vont dire oui, tu les achètes où? Donc, poudre à baisser. Renseignez-vous bien. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On a fait le tour. Tiens, il y avait une question tout à l'heure. S'il y avait un truc à refaire dans l'atelier, pas pareil, ce serait quoi? Genre quelque chose que tu regrettes ou que tu aurais pu faire. J'aurais fait différemment. Si j'avais quelque chose à refaire ou que j'aurais refait différemment. Ben, en fait, mon atelier, c'est. En fait, ça fait 20 ans que j'en rêve, quoi. Donc, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que je fais des plans. Même avant d'avoir la thune, je faisais déjà des plans, tu sais. Donc. En fait, j'en suis trop content. Peut-être le truc que je referais différemment, peut-être la ventile. Ouais. Parce que notre ventilation est très bien, mais le groupe, le moteur de ventile n'est pas assez gros. Et donc, du coup, on la met peu en route, la ventile, on la met en route quand on soude. Mais je la mettrais peut-être plus puissant. L'éclairage est parfait. Ouais. Parfait. Pavé LED de chez Byled, nos amis de Byled. On a des codes promo en description aussi. Lumière du jour, on a blindé, c'est parfait. Le truc que je referais sans hésiter, c'est la clim. Parce que, quand tu travailles, il faut être dans des bonnes conditions. Et moi, j'ai vu toute ma vie mon papa qui était ouvrier mécanicien, et des fois j'allais le voir au garage. Putain, son garage était un tas de merde. Non, mais c'est vrai, ça, c'est grand ouvert. Le garage de son patron, tu sais, tu voyais les tuiles, l'hiver il y avait moins 10. Mon père il partait, il avait 6 pulls, il était comme ça, tu sais, dans sa combine. L'été il transpirait. Putain, j'avais envie de dire au mec, mais bordel, tu sais, les conditions de travail. Les conditions de travail, tu sais, c'est là, en plus, c'est que tu te blesses, la fatigue,
Là, la clim, que ce soit été, hiver, excuse-moi, je t'ai touché un peu la main, qu'est-ce qui nous arrive, c'est... que ce soit un peu l'été, hiver, j'adore, ça gère frais. Qu'est-ce que... La taille. Difficilement. Ah oui, ah bah la taille. Ah bah la taille. Ah bah oui. Ouais, bon. Mais après, il y avait le portefeuille. Nous, quand on a fini le bâtiment, rien que pour le finir, et commencer de l'équiper, on en a eu à peu près pour... On a fait un prêt de presque 70 000 balles. Ça ne nous a pas suffi. Et après, au petit à petit, on a continué d'équiper. Donc, mais on a une charpente en tronc d'arbre, charpente tradie. On n'a pas tiré sur la cam. Hein. Mais ça a coûté quand même de la thune. Mais c'est vrai que si j'avais eu plus de place, si j'avais eu plus de blé, j'aurais fait plus grand. Mais... Moi, je fais plus de prod. Ouais, mais là, c'est à l'échelle de la maison. Moi, en fait, pour moi, je l'adore. Il est... C'est sûr que l'idéal, ce serait de ne pas avoir besoin de tirer la raboteuse. L'idéal, ça, ce serait de pouvoir tourner autour complètement de la toupie. L'idéal, ce serait d'avoir un WC lavant, même à l'atelier. Non, je déconne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, je l'adore, j'ai pas grand chose. Qu'est-ce que tu changerais, toi, par exemple? Bah, sur cet espace-là, moi, je changerais pas grand chose. Enfin, je vois difficilement comment mieux. On a mis des prises de partout. Tiens, si le truc qu'on peut vous conseiller aussi, c'est que toute l'électricité, on a tout tiré en apparent. Parce que là, l'avantage, c'est qu'on a du chemin de câble, on a des prises de partout. Le jour où on veut les déplacer, on n'a rien encastré. Donc, voilà. On a Internet. On a l'alarme, on a les caméras, on a les détecteurs de monoxyde, les détecteurs de fumée, les vitres, on a pris du super truc, machin, feuilleté. J'ai pas grand-chose à... Je sais pas trop ce que... Honnête, non, je te jure, attends, j'essaye de réfléchir. Si, il faudrait plus de place. Oui, c'est tout. Faudrait un endroit, tu vois, où on puisse faire vraiment des collages. Oui. C'est vraiment des grands collages avec des dormants de 2 mètres. Une porte plus grande, peut-être? Non, ma porte, j'en suis content parce qu'en fait, elle s'ouvre en... quand elle est ouverte à fond, elle fait 1m20. Ah, quand même. En fait, j'ai une double battant et elle fait 1m20. Donc 1m20, bon, on n'a pas été bloqué même pour rentrer les machines. Et puis là, tu vois, et puis après, tu rentres pour le plus grand des panneaux. Les panneaux, ça passe. Ouais, même les grands panneaux, on les passe. J'ai pas grand-chose. Franchement, je regrette pas grand-chose. Moi, hein, ouais. On l'a bien réfléchi, on l'a bien étudié, on ne s'est pas pressé pour le faire. C'est un rêve que j'avais depuis j'ai 14 ans, je rêve d'avoir ça. Et il a fallu que j'attende d'avoir 40 ans pour l'avoir. Hein. J'ai commencé à faire l'atelier à 37 ans, je l'ai fini à 39, enfin 36 et je l'ai fini à 38. C'est le travail d'une vie, j'en suis trop content. Franchement, je ne changerais peut-être pas grand-chose. J'avais mis une télé... parce que je m'étais dit, tiens, quand je ferai des lives YouTube ou machin, je pourrais avoir le retour. Je m'en suis servi 2 fois. Bon, ça, j'y referai pas. Ça sert à rien. Puis c'est que moi, je le trouve classe. T'as fait le poil ouais, derrière. On l'a fait joli. Tu travailles dans un joli cadre, tu vois. Ouais. Avec les petites briquettes, tout ça, moi, je trouve carrément... Ouais, tout est pratique. Ouais, c'est vrai, on est quasiment gêné pour rien. Il faudrait que... Oui, l'idéal, ce serait que ce soit plus grand. Allez, le double. Pour le stockage, ouais, parce qu'on stocke quand même beaucoup de bois dehors. Moi aussi, ouais. Puis là, on ne monte pas toutes les 5 minutes, mais c'est vrai que pour prendre du bois, tu prends l'échelle. Ouais. Voilà la petite contrainte. Allez, si tu avais plus de place, ça ferait peut-être le stockage au rez-de-chaussée. Quoi. Ouais. Voilà. Mais il faudrait que ce soit peut-être un peu plus grand, mais sans deck, j'en suis trop content. Quoi. On n'a pas besoin de pont roulant. En fait, dans cette place-là, franchement, moi, je trouve que c'est optimisé parce que c'est sur roulette, c'est machin. On a un maximum de possibilités dans un espace qui reste relativement restreint, même si, quand je dis restreint, bon, bah, moi j'aimerais bien avoir déjà cet espace pour travailler. Mais je veux dire, avec le maximum de possibilités, faire du bois, de la soudure, du rabot d'ego, enfin je veux dire, avec tout ce qu'il y a. Oui, parce qu'aussi c'est un atelier de maker. Tour à métaux. Si on n'avait pas par exemple le tour à métaux, la fraiseuse, tout, bah, on récupérait de la place peut-être pour remettre un plan de travail de collage. Parce que là c'est quand même un truc un peu généraliste, hein, on fait un peu de tout. Hein. Ah ouais, c'est ça. Après, si tu vas avec que du bois, bon, c'est vrai que quand tu fais du bois, il faut un peu de place quand même. Ouais, faut mais après, tout dépend entre. Là, c'est plus maker, mais c'est vrai que si tu fais de la prod, bon, bah voilà. Et puis c'est pareil, ça dépend de ce que tu fais comme bois. Je vois par exemple, on a le copain, comment il s'appelle, c'est John qui était venu, Astuce Design. Ouais. Lui, il fait de la petite ébénisterie d'art. Bon, bah ça serait parfait pour lui, tu vois. Il fait des petites boîtes, des petites. Il n'a pas besoin de place. Par contre, dedans, tu mets là-dedans un mec qui fait du dressing toute la journée ou de la cuisine, il devient fou, mais c'est impossible.
Il faut qu'il installe des tentes dehors, qu'il stocke dehors. C'est vrai, ce serait pas possible. Mais demain, je voudrais faire un petit confiturier. Tu sais, un joli petit confiturier en mélèze avec des petits... Bah, c'est impeccable. Ouais. C'est impeccable. Mais c'est surtout dès que tu fais des gros trucs ou dès que tu as des... On pourrait pas faire de la prod dedans. C'est impossible. C'est trop petit. C'est trop petit. C'est l'atelier Mécure, quoi. Ouais. Honnêtement, donc voilà, pour conclure, vraiment, j'essaye de chercher, franchement, je regrette qu'ici quelque chose a changé, à part, oui, la taille, machin, mais j'en suis déjà tellement, je peux pas me plaindre. Il y a John dans le chat, là. De quoi ? Salut John. Ah bah, salut John. Je pourrais pas tellement, j'ai pas grand-chose à... Non, sans deck. Hein. Non, puis ouais, c'est bien. Je suis à côté de chez moi. J'ai la clim, j'ai la radio, j'ai internet, j'ai tout ce que j'ai besoin pour travailler. J'ai le triphasé, j'ai suffisamment de puissance, j'ai une bonne aspiration. Il est facile à ranger, à nettoyer. Je n'en sais rien. On a un lavabo. On a un lavabo. La toilette à côté. On a les chiottes, on a. On a tout le confort, qu'est-ce que tu veux de plus Moi j'en suis... Ouais, il n'y a rien à changer. Ouais, il n'y a pas grand-chose à changer. Peut-être un peu plus de place, quoi. Voilà. Et encore, parce que là, il est quand même chargé. Hein. Mm. Mais... Attends, on a peindu des trucs au fur et à mesure sur les murs, petit à petit. Là, au début, c'était pas... Mais au fur et à mesure, on a chaque centimètre carré. Et encore, il y a des fois, je me dis, putain, au-dessus de la fenêtre, je vais peut-être remettre une étagère... Mais non, sinon, en étant honnête, qu'est-ce que tu changerais, toi, par exemple, Martin, ou qu'est-ce que tu penses à quoi ? J'en sais rien. Moi, je sais que j'aime bien les grandes portes. Hautes et larges. Ouais, les grandes portes, ouais. Moi, j'adore. Chez moi, ça fait 3x3. Ouais. Et pour bricoler la ferraille, quand tu fais des gros châssis. Ah, bah là, si on faisait un portail, on pourrait pas le faire dedans. Ah, bah oui. Tu peux rentrer la bagnole, des trucs comme ça. Mais bon, après, rentrer la bagnole, ça veut dire grosse porte, ça veut dire impossible à isoler, c'est d'autres contraintes. Mais par contre, c'est vrai que. Dans l'idéal, serait séparé bois métal. Ouais, ça oui, ça ouais. Et avoir un atelier bois chauffé, un atelier métal où on peut s'équiper. Parce que là, ouais, t'enlever la couverture, mais à chaque fois, soit on fait du bois, on protège le métal. Oui, parce qu'en fait, c'est, ouais, ce qu'on vous a, mais vous, ils le voient dans les vidéos, mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que là, on a enlevé un peu les couvertures, mais en fait, à chaque fois, on protège vraiment les machines, parce que les machines, comme le tour à métaux et tout, qui est toujours quelque chose qui est très huilé. Bon, bah, il faut vraiment que ce soit protégé pour pas qu'il y ait de la poussière de bois qui vienne dessus et vice versa, quoi. Quand tu fais un truc qui balance de l'huile de partout, bon, bah, faut pas que ça parte sur les machines. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a. Ça, par contre, ça, c'est vraiment bien. Hein, c'est pour ça qu'on a deux perceuses à colonne. Ça paraît rien, mais c'est vraiment horrible. Quand vous faites une session de perçage métal et que derrière vous voulez faire un truc de précision bois, bah, c'est impossible. Tout de suite, votre bois se tache, c'est dégueulasse. Là, pour moi, si vous faites vraiment les deux. Faut quasi deux perceuses à colonne. Hein. Je sais que des fois, c'est pas l'idéal niveau pognon, niveau place, mais regarde Diresta, il avait 2-3 perceuses à colonne, 2-3 scie à ruban. Non, mais c'est vrai. Hein. Parce que. Mais bon, après, on est comme tout le monde, c'est le portefeuille qui commande. Mais moi, j'en suis vraiment très content. J'en suis très content. Il n'y a pas grand chose que je regrette, même quasi rien. J'espère que je vais pouvoir bricoler dedans jusqu'à 80 ans. Quand je serai à la retraite, je ferai des trucs pour mes petits-enfants. J'aurai peut-être des petits-enfants, je bricolerai avec eux. Aujourd'hui, je bricole avec mes filles, je bricole avec Seb, je bricole seul. C'est le rêve de ma vie. Le samedi, le dimanche, je bricole tout le temps. Les enfants dorment, je me lève, je traverse la cour, je bricole. J'adore. Je suis très, 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 très heureux de ce que j'ai. Et pas grand-chose que je changerais, quasi rien. Et de tous les outils qu'on a, il y a quasiment rien qu'on regrette. On se sert de tout. Il y a des choses plus que d'autres. Mais Ultra spécifique, on va s'en servir un peu moins, mais c'est vrai qu'on se sert de tout. Ouais. Puis ça, c'est génial. T'es pas emmerdé à essayer de bricoler avec une machine qui est pas tout à fait adaptée à faire ce que t'es en train de faire. Mmh. Et c'est vrai que quand tu commences à t'équiper, t'es bien obligé de... Voilà. Ouais. Comme tout le monde, au début, t'achètes des machines, tu peux pas tout acheter d'un coup. Puis c'est ce qu'on dit, c'est une passion, c'est un loisir. Ouais. C'est comme tu disais tout à l'heure. Les canapés. J'avais un pote, c'était ça. Oh, un mec canapé à 2000 balles en carbone qui... ouais. Avec le moulinet. Avec le rodpod et la tente carpiste. Ouais, machin, truc de dingue. Il me disait ça, il était extasié de son truc. Moi j'aime pas la pêche. Moi j'aime bien la pêche, mais j'ai plus de temps, puis je joue. Mais non, mais ce que je veux dire, chacun sa passion. Ouais. Et après, c'est vrai, quand il vient, mais ta remachine, c'est cher, mais c'est ma passion, c'est mon petit travail, c'est. Ouais.
Enfin, je veux dire, voilà, chacun a sa passion et faut comprendre que voilà, il y a des passions comme ça. Le mec, il a un vélo ultra léger en carbone, je sais pas combien, 10 000 balles. Enfin, je veux dire, moi personnellement, j'aime bien faire du VTT, je vais pas m'acheter un vélo à 10 000 balles. Ouais. Le mec, il en fait tous les week-ends, c'est son délire. Mais c'est comme le mec qui achète un quad pour faire du raid aventure à 50 000. C'est comme un mec qui fait de la motocross et qu'à chaque fois qu'il sort, il pète une fourche. Après, il y a des passions qui sont moins chères. Ouais. Mais c'est sûr que la pêche, souvent, c'est un peu moins cher. Ah, celui qui joue aux échecs, ça va quoi. Ah ouais, celui qui joue aux échecs, ça va. Mais bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour, hein. Je pense qu'on va couper là parce qu'on doit en être à 2h30 de live de folie. On est monté à plus de 1500, là j'ai vu un moment où je... Ah c'est possible, j'ai pas c'est incroyable. Est-ce qu'il y a encore 2-3 questions Martin? Parce qu'on va rendre l'antenne, les bichons. Il y a deux... Dimension au sol et... Bah dimension au sol, ce qu'on disait, 50 mètres carrés, tu pars sur à peu près 10 mètres par 5. Et après, pour les autres questions, je vois qu'il y a plein de questions sur Seb et tout ça, ce sera dans la FAQ. Oui, il y a beaucoup de questions qu'on va pas vous répondre maintenant parce qu'on a préparé une grosse vidéo foire aux questions qu'on va répondre la prochaine fois. Il y a Nîmes qui demande si j'ai mal au bras. Non, j'ai pas mal au bras, j'ai des gros bras. Ah, Martin, c'est pas déconner. C'est un malaise, Martin. Voilà. Donc là, les deux prochains hors-série, ça va être foire aux questions. Et donc on a déjà d'ailleurs tourné monté, donc c'est plus la peine de nous poser vos questions, mais on a répondu à la globalité du truc. Ouais. Et donc ça sera dans 15 jours. Et après pour finir, il y aura le best of saison 1 et 2. Et puis peut-être même des choses avant les saisons, enfin on verra. Il y aura aussi des trucs exclusifs. Des dossiers exclusifs. Ah. Ouais. Je veux voir la vidéo avant. Martin. Et puis vous verrez, à la rentrée, il y aura plein de surprises. Le truc qu'on voulait aussi vous dire, Bichon TV, on a vraiment beaucoup travaillé ce début d'année. On a été faire des reportages, tout. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de sorties, de reportages, de documentaires, de trucs, de super trucs qui vont sortir tous ces jours, ces mois là sur Bichon TV. Si ça vous intéresse, bah voilà, vous pouvez aller rejoindre Bichon TV sur YouTube. Puis sinon, on est toujours sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont impatients, on met beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram et on fait beaucoup de spoils. Donc sur Instagram, souvent, vous allez voir des choses, des petites brèves, des petits extraits, mais des choses qu'on va peut-être pas sortir sur LJVS avant au moins 3 mois. Donc si vous voulez vous tenir un peu au courant à l'avance, allez voir sur Instagram LJVS-YouTube. Et puis voilà, on a fait le tour. Je pense. J'étais bien content, mon Seb. Bah écoute, t'es quand même extrêmement balèze. Hein, j'en sais rien. Non, non, mais moi, je fais respect. Hein. Mais non, mais toi, tu t'es très bien débrouillé aussi. Enfin, ouais. Moi, j'étais très content de faire le tour avec toi. Moi, j'ai trouvé normal que tu sois là parce que maintenant, tu fais partie de l'équipe, on bosse tous les jours ensemble. Ouais. Et puis, t'es quand même l'expert outillage Bichon TV, Macaï. Alors, voilà. Et puis, vous verrez, soyez vigilants. On n'a pas le droit de vous en parler pour l'instant. Mais soyez vigilants cette fin d'année parce que ça va envoyer. Vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver. On n'a pas le droit de vous en parler maintenant. Mais je pense que oui, vous allez voir, ça va. The level. Level au-dessus, bien au-dessus. Voilà, on va faire quelque chose cool. Et en tout cas, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Martin? On rend l'antenne? Bah ouais. Puis un petit saucisson qui nous attend, je crois. Ah ouais, Martin, il a amené saucisson des montagnes, puis des petits fromages. Bah ouais. Ça va il bien. Il nous a régalé les papilles. Ouais, on va s'ouvrir une bouteille de blanc à consommer avec modération, bien sûr. Et ça va faire du bien, parce que c'est vrai qu'on a tchatché. Ouais, bon, c'était bien. Bon, les bichons, on vous adore, on vous aime. Et puis, n'oubliez pas le pouce bleu. Bien sûr, l'émission sera après disponible en replay tout de suite derrière. Merci à tous ceux qui nous ont fait des super chats. Nos amis suisses qui sont toujours très fidèles. Nos amis belges, français, canadiens qui nous regardent. Merci à vous tous. On est toujours très, très, très heureux de toute cette communauté qu'on adore, nos bichons. On sera à Artibat cette année à Rennes. Donc si vous voulez venir nous voir, venir envahir le salon pour nous rencontrer, on sera très heureux. Et puis voilà. Merci à la régie aussi, que vous ne voyez pas mais qui est toujours active. Voilà, on l'applaudit. Et puis moi j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, soyez créatifs. Je croyais que t'allais pas. J'avais envie de la faire, la connerie, mais... Faites de votre mieux. Donc comme d'habitude, soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible. Si possible.